L'application de la loi Fallou, dorénavant pour améliorer les conditions de vie des élèves, le financement des écoles privées sera donc public. Pour vous, 1000 francs d'impôts locaux en plus, c'est peu. Mais pour lui, c'est un mois d'études gratuites. Alors vous aussi, aujourd'hui, aidez un fils de riche à poursuivre ses études. C'est à nous. Pour lui, merci. C'est vrai, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui profitent de la solidarité. L'événement de ce mercredi 4 avril, c'est l'école en France qui va bien, après que l'on a frappé des parents d'élèves rue Rampal à Paris. Cette fois, en Seine-et-Marne, des enfants dont les parents n'avaient pas réglé la cantine ont été privés de repas. Bon, heureusement, depuis, les cours ont repris normalement. Vos parents n'ont pas de sous. Ce sont des pauvres. Seuls ceux qui le méritent peuvent manger en France. L'événement de ce mercredi 20 février, c'est la réforme de l'école présentée par Nicolas Sarkozy. Désormais, les écoliers devront connaître par cœur les symboles de la République. Le chômage. Le chômage. La précarité. La précarité. La baisse du pouvoir d'achat. La baisse du pouvoir d'achat. Oui, l'avantage, c'est que leurs parents n'auront pas de mal à les faire réciter. Je suis donc avec Oussama Ben Laden. Oussama, vous avez déstabilisé durablement le monde avec ces attentats. C'est un point de vue que je qualifierais de pessimiste. Vous êtes très pessimiste, vous autres occidentaux. Oui, il faut avouer qu'en ce moment... Ça va aller, Inch'Allah. Je crois que je vous ai fait du bien. Ah non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je comprends. Mais c'est parce que vous avez honte de regarder la vérité en face. Quoi ? Vous, les occidentaux, vous n'avez jamais été aussi unis que depuis 3 semaines. Et ça, c'est grâce à moi. Pour votre économie, vous êtes tous solidaires. Et ça, grâce à qui ? À vous. Eh oui. En plus, vous n'êtes pas obligé d'augmenter vos ouvriers. Maintenant, ils travaillent avec le cœur, pour l'amour de la patrie. Grâce à qui ? Ben Laden. Eh oui. En plus, vous avez trouvé un ennemi commun. Moi. Que voilà, t'en avais plus depuis les communistes, que t'étais bien embêté pour justifier le budget de l'armée. Dans les rues de tes villes, tu peux mettre la police partout. Les gens, ils disent rien. Tu fais baisser la délinquance. Et tu vas contrôler tous les gouvernements du monde pendant 30 ans. Alors on dit merci qui ? Merci Ben Laden. Non, je peux pas vous dire merci. C'est pas grave. N'empêche, vous l'avez rêvé, Ben Laden l'a fait. Mais vous êtes un monstre quand même, hein ? Et puis, ça chauffe pour vous, hein ? Attention, on a bloqué vos comptes, on vous a pris 6 millions de dollars. Votre compte est créditeur de 4 878 480 000 dollars. Oui, quand même, hein, ils vont vous trouver, ils vont vous bombarder, ils vont vous tuer. Sûrement, oui, sûrement. Mais chez moi, c'est plus solide que chez vous. Moi, si tu balances 2 avions sur la montagne, elle tombe pas la montagne. Au pire, tu fais un petit éboulement. Vous méprisez notre culture. Tu es injuste. Regarde à New York. Pour la première fois de ma vie, j'ai joué au bowling. Et boum, strike sur les 2 tours. Non, vous êtes odieux. C'est horrible et c'est malhonnête. Vous a fallu 2 avions. Hein. C'est pas un strike, c'est un spare. Après Loft Story, Popstar, Star Academy, Opération Séduction et L'île de la Tentation, la télé-réalité va plus loin pour votre plaisir. M6 présente Martine, 24 ans, blonde, directrice de communication dans une multinationale en faillite. Elle sera seule sur une île paradisiaque, coupée du monde. Face à elle, 8 violeurs, répartis en 2 équipes, tout juste sortis de prison spécialement pour l'émission. Dans l'équipe A, Guy Georges, tueur de l'Est parisien. Sa passion, le viol. Son hobby, le meurtre. Point fort, il court vite. Point faible, pour l'instant, il n'a violé qu'en ville. Sera-t-il aussi à l'aise sur une île déserte ? En tout cas, Francis lui disputera la vedette. Francis Hall, le violeur des campagnes. Sa passion, le couteau à huîtres et les grands espaces. Point fort, il connaît parfaitement le terrain. Point faible, il est bisexuel. Il risque d'être plus attiré par Émile. Émile Louis, le tueur de Lyon. Sa passion, conduire des bus et des trisomiques. Point fort, il enterre ses victimes. Point faible, il est très moche. Martine, réussira-t-elle à déjouer les stratégies de ses malades ? Se réfugiera-t-elle dans le camp de l'équipe B, à l'autre bout de l'île, avec le boucher de Volgograd, l'écarisseur de Nottingham Forest, le docteur Shipman, le désanusseur de Montargis et le cannibale des Minguettes ? Pour survivre,
Martine aura à sa disposition une boussole, une boîte de thon à la catalane et un préservatif. Réussira-t-elle ? Viol Island, samedi soir sur M6. Excellent ! Remarquable ! Bon Dieu, comment contrer ça ? On n'a qu'à faire Viol Island Academy. Ça ressemble trop, non ? Pas du tout ! Les nôtres, on les fera violer en chantant. Comme ça, en plus, on pourra sortir un disque. Viol Island Academy, bientôt sur TF1. Une journée de grève, ça ne m'impressionne pas. Moi, ça fait 60 ans que je ne travaille pas. Demain, donc, dans Paris, de gros embouteillages en perspective à cause de la grève générale des fonctionnaires. Alors, comment circuler ? Imaginons que vous alliez de la banlieue Est à la Défense, l'itinéraire conseillé par Piéton Futé. Vous garez votre voiture porte d'Italie. Ensuite, vous prenez la manif CGT des fonctionnaires jusqu'à Jussieu. Là, vous changez. Vous prenez la manif des étudiants jusqu'à Châtelet. À Châtelet, la manif des professions médicales jusqu'à Champs-Élysées. Là, vous cassez un magasin et un bus de CRS vous amènera directement à la Défense. L'image du jour, ce sont les manifestations des lycéens. La semaine dernière, ils étaient 100 000 et ils allaient de Place Italia à République. Aujourd'hui, ils étaient 1000 et ils allaient de Denfert-Rochereau au boulevard Aspail. Pour la manif de la semaine prochaine, ils seront une trentaine et ils iront de la cour du lycée à la salle de classe en rang par deux et en silence, s'il vous plaît. Olivier Laposte est la première à descendre dans la rue pour cette semaine d'action de défense des services publics et du pouvoir d'achat. Mais ça y est, c'est parti là, c'est cuit là, le gouvernement est cuit là. Je l'avais dit en 2002 après la présidentielle, ça va péter que je disais après la présidentielle. Eh ben ça y est. Oui, il y a 3 ans. Ah non, mais ça va péter là, c'est parti. Aujourd'hui c'est nous, demain les cheminots, après-demain la fonction publique, vendredi grève générale, samedi l'armée nous rejoint et lundi on prend le pouvoir. Et dimanche rien ? Ah non, dimanche, je peux pas, j'ai les gosses, j'ai promis de les amener au Luxembourg pour les marionnettes. D'accord. Mais dès lundi, on prend le pouvoir. Ça y est, là, les Français en ont marre, là. Mon Dieu, mais vous allez être violent ? Ah ouais, s'il faut, oui. Si le gouvernement s'oppose, si les CRS sont là et qu'il pleut pas, oui, on peut être violent. Et s'il pleut ? Ah bah, ça coupe l'envie un peu, hein. On a beau être révolutionnaire, quand ça caille, hein. Uh-huh. Le temps compte beaucoup. Bah oui, la prise de la Bastille, c'était un 14 juillet, pas un 10 janvier. Vous êtes sûr que la révolution, c'est pour cette fois, alors ? Bah, y a un souffle, hein, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, de l'autre côté, bon, je l'ai bien vu aujourd'hui, hein. Il y a les circonstances, quoi. C'est-à-dire ? Bah, par exemple, aujourd'hui, il a plu jusqu'à 15h. Bon, c'est dur de motiver les troupes. Et vers 15h30, le soleil revient. Mais là, 15h30, c'est trop tard. Entre ceux qui veulent en profiter pour faire les soldes, ceux qui veulent pas rater le dernier RER avant que les autres cons se mettent en grève... Difficile de rassembler. Je vois, la motivation révolutionnaire est là, mais les circonstances... Bah oui, ça caille, quoi. D'accord, pas de grand soir là tout de suite, quoi. Faut être lucide, non. Mais il faut rester mobilisé. Je peux passer un message comme je suis à la télé ? Bah, comme Sarkozy ? Bah... Je plaisante. Lui demande même pas, alors. Bon, bah allez-y. Merci. Bon, camarades révolutionnaires, le grand soir est arrivé. Mais par contre, c'est pas ce soir. Mais restons mobilisés. Le mot d'ordre est le suivant... En raison du mauvais temps, la révolution est reportée au mois de mai. Tenez bon ! Bon, bah, j'espère qu'on aura beau en mai. Au sommaire de ce nouveau numéro, Christophe Lambert, qui nous fera partager son amour pour son chat persan. Mais tout de suite, rencontre avec un passionné pas comme les autres. Bonjour! Entrez, c'est par ici. Avec un peu de chance, elle doit être dans sa pièce favorite. Qu'est-ce que je disais? Eh bien voilà, je vous présente ma femme. Faites doucement parce qu'elle est un peu farouche. Mais attention, elle est aussi très affectueuse. Tous les soirs quand je rentre, elle vient m'accueillir, fait la fête. Regardez comme elle a l'air de s'amuser. Ah, ce qui est incroyable, c'est son instinct. Elle sait toujours ce qu'il faut ranger ou nettoyer. Et pour une femme, elle est d'une intelligence. Il n'y a pas que le fer à repasser. Elle sait aussi se servir toute seule d'un aspirateur et d'une machine à laver. Corinne ? Corinne, tu viens dire bonjour ? J'ai pas le temps. C'est pas grave. Elle a aussi son caractère. Très indépendante. Voilà, c'est ça mon petit bonheur.
Un travail, une maison, une femme de compagnie. Que demander de plus? Hein, chérie? C'est fou, hein? Des fois, j'ai l'impression qu'elle comprend tout ce que je lui dis. Les expérimentations animales vous scandalisent. Les singes maltraités vous révoltent. Les chiens et les chats auxquels on fait subir les pires atrocités dans des buts médicaux vous mettent hors de vous. Vous n'en pouvez plus de voir des milliers de souris de laboratoire mourir dans l'indifférence générale. Il existe une solution. L'expérimentation humaine. En Syrie, vous pouvez tester tous vos produits directement sur l'homme. En 6 mois, j'ai balancé toutes sortes de gaz sur ma population. Des produits qu'on n'avait même jamais testés avant. Tout est possible chez moi. Là, on voit les réactions sur le cerveau du broyage de testicules. Il l'a pas bien pris. Aucun animal n'a été blessé ou tué en Syrie depuis maintenant 2 ans. Ah, chez moi, les animaux sont mes amis. Bachar el-Assad, 2 millions d'ennemis, mais 30 millions d'amis. Politique avec les querelles à droite qui continuent. Tout de suite en duplex de Montfort-la-Maurie, la réaction de Jacques Chirac. Monsieur Chirac? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Les querelles à droite. Écoutez, j'ai pas trop le temps pour les querelles, hein. Je suis en pleine rédaction de mon 2e tome de mon projet de l'an 2000 que j'ai. Oh, Margot, sois gentil, enfin. Oh, Côte-Côte, s'il te plaît, je n'ai pas à me concentrer, là. Oh, mais Valérie, j'ai déjà donné à manger il y a un quart d'heure. Monsieur Chirac. Oh, mais c'est un monstre, vous voyez pas que je suis en plein projet de l'an 2000, non? Maman, tu me passes le ketchup, please? Y'a pas à dire, un bon burger en terrasse, ça marche toujours. L'image du jour, c'est un nouveau cas de maladie de vache folle en Angleterre. Une jeune écossaise de 15 ans aurait attrapé la maladie en mangeant beaucoup de hamburgers. Ce n'est pas la première fois que l'hamburger est suspecté. Il sera déjà à l'origine d'une maladie qui touche un tiers de la population américaine, la maladie de la grosse vache. Vache folle, les services vétérinaires ont saisi 300 kilos de bœuf britannique congelé, stocké illégalement par le Hard Rock Café à Paris. Une intervention qui va compromettre la future campagne de publicité du célèbre restaurant. En ce moment, au Hard Rock Café, retrouvez dans un seul steak toutes les sensations du rodéo sans le cheval. Ça, c'était moi, avant. Les filles m'aimaient pour ce que je représentais. C'était superficiel. Grâce au programme Big Fast, j'ai pris 20 kilos en un seul été. Efficace, non? Depuis, les filles m'aiment pour moi. Et ça, c'est important. Une dose de Big Fast mélangée à du lait entier, c'est l'équivalent d'un repas déséquilibré. On en prend 12 fois par jour. Et ça marche! Big Fast. Pour être enfin aimé pour soi. Je sais, vous vous dites, c'est comme tous les régimes, on prend 20 kilos en 3 mois, et puis on les repère aussitôt. Mais non! Avec Big Fast, on les garde! Vacances, cette fois c'est bien fini. Voyez par exemple cet homme, hier encore il avait tout son temps libre. Et du jour au lendemain, le voilà de nouveau happé par ses obligations professionnelles. Ah, ça fait un sacré changement, hein, Jean-Pierre? Voilà, je suis donc avec José Bové et Jacques Chirac. Alors José, vous allez retourner en prison, c'est dur. Est-ce que le combat en vaut la peine? Bien sûr, j'assume ce que j'ai fait, parce que au-delà du risque médical dont on sait rien, il y a la mainmise des multinationales agroalimentaires sur les paysans du monde entier. On me dit que je fais là, moi, après. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les produits transgéniques font l'objet de brevets. Mais notamment le riz que vous avez détruit. Voilà, oui. Si on fait rien, un jour, tous les paysans du monde seront obligés d'acheter leurs plants de riz dans la même multinationale qui contrôlera l'alimentation des peuples du monde entier. C'est contraire à la liberté de choisir ce qu'on mange. C'est l'uniformisation du monde, la fin des diversités, des cultures. Oh, la vache, il s'y connaît Henri, lui, hein. C'est un chinois ou quoi? Non. Quoi? Non, mais comme je sais pas que je fous là, j'essaie de m'intéresser, c'est tout, hein. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre que vous alliez en prison. Ah bah non, je vais pas en taule. Ah, pardon, c'est pas encore mon tour. Pas encore, non. Pourtant, si votre combat est juste, votre action est condamnable. Condamnable, condamnable, y a pas de preuve, hein. Ah, pardon, c'est toujours pas à moi.
Si se mettre dans l'illégalité est le seul moyen de se faire entendre, alors j'accepte de me mettre dans l'illégalité. Oui, mais une fois en prison, vous ne pouvez plus mener votre combat. Mais je ne suis pas seul. La prison ne m'arrêtera pas. Il y avait plus d'un million de personnes à Florence qui manifestaient. Notre combat est le même. Oui, c'est vrai qu'à Florence, il y a la preuve d'une vraie mobilisation mondiale. C'est très beau comme ville, Florence. Hein? J'y suis allé une fois, invité par Berlusconi. Ouais, c'est-à-dire, comme je ne sais pas ce que je fous là, je finis par dire des conneries aussi. Hein. Mm-hmm. En tout cas, José, bonne chance et courage pour la prison. Ah, allez, c'est mon tour, c'est moi d'y aller. Malheureusement, non. Putain, ah, faut que je trouve un truc pour restaurer la grandeur de la France. Comme de Gaulle, quoi. Être visionnaire, aller vers... faire du... Enfin, comme de Gaulle, quoi. Voilà, faut que je trouve un truc pour être comme de Gaulle. Et arrêter de passer pour un con, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh putain ! Pachianlit. Et maintenant, allons restaurer la grandeur de la France. Oui, oui, c'est ça. Je refais des essais nucléaires. Voilà. Dans le Pacifique. Pile poil. Mais je m'en fous que ce soit interdit. Ce qui compte, c'est la France. Et voilà le travail. Ouais, je suis donc avec Freddy Krueger, le célèbre et terrifiant monstre des griffes de la nuit. Ouais, bah ça va, pas la peine de passer la pommade, hein. Si t'avais pu avoir Ben Laden ce soir, tu m'aurais jamais invité. Bah si, pourquoi vous dites ça ? Bon, attends, je le vois bien. Depuis le 11 septembre, il y en a que pour lui. Ben Laden la terreur, Ben Laden le monstre, gnagnagna, Ben Laden. En deux mois, il nous a tous ringardisés. Non, pas du tout. Mais si, je vois bien, je fais plus peur, c'est tout. Non, faut pas dire ça. T'as eu peur, là ? Un peu. Vous avez une sale tête, quand même. Hein. Ah oui, merci, j'ai quand même quelques qualités. Seulement, en ce moment, ça suffit plus, hein. Imagine, je fais moins peur que 2 grammes de farine dans une enveloppe. La honte ! C'est pas de votre faute. Ben Laden terrorise tout le monde. Du coup, vous êtes un peu en dessous, c'est logique. C'est pire que ça. La profession de monstre est sinistrée. Avec Ben Laden, je vous le dis, moi, c'est la mort du petit commerce. Mais non, ça va revenir. Tu parles. Ils l'ont dit à la télé. Il y avait un avant, il y aura un après en septembre, faut se mettre ça dans le crâne. Vous avez l'air abattu. Et encore, moi, c'est rien. T'aurais vu la tête de Frankenstein hier soir, il était pas beau à voir. Ah oui, j'imagine. Et pas plus tard que ce matin. J'ai eu Dracula au téléphone. Pas voyant, hein. Il est devenu claustrophobe. Il a pu rentrer dans son cercueil. C'est pas possible. Ah oui. Dépression nerveuse. D'ailleurs, il est rentré en Transylvanie. Non. Si, si. La Dame Blanche, pareil. Sous Prozac depuis 2 semaines. Elle a pété les plombs, elle s'habille plus qu'en noir. Oh la pauvre. Ouais. Le seul qui s'en tire, c'est Elephant Man. Il faut dire que lui, il est vraiment très très moche. Hein. Même moi, il me fait peur. Alors donc, Halloween pour vous, c'est... C'est terminé. Hein. Merci qui ? Merci Ben Laden. Et vous allez faire quoi alors ? Ah, j'ai réussi à m'arranger. Je me fais héberger gratos par la famille Adams. Sinon, je me suis inscrit aux acédiques, mais le seul truc qu'ils m'ont proposé, c'est sosie de Niki Lauda. Eh bien, il en aura fait du mal, Ben Laden. Hein. C'est un monstre. Oui, vous savez de quoi vous parlez. Voilà, sans transition, football, les joueurs de foot font-ils trop de publicité ? C'est la question que tout le monde se pose en ce moment à Paris. Une branlée en Coupe d'Europe ? Coupe d'Europe, la couronne PSG 3-1. C'est vraiment bien la défaite. Eh, on remet ça ? On remet ça. Championnat, Bordeaux-PSG 2-1. On remet ça ? Bien sûr, Monaco 2-0. C'est vraiment bon la défaite. On remet ça ? Tu m'étonnes, Auxerre 1-0, Rennes 1-0. On remet ça ? Ouais, on va peut-être s'arrêter là, non ? Pourquoi ? On va pas à Sedan samedi ? Bah si. Alors on remet ça ? Défaite ? On remet ça ? Bon, d'accord, une dernière à Sedan et on arrête, hein.
Voilà sans transition, musique pour finir. Après son livre, il tenait un discours moderne et progressiste. L'abbé Pierre sort son testament sur CD. Alors, vrai recueil de textes profonds ou manipulation par des producteurs sans scrupules, à voir. Yo, je pose mes lyrics sur la bande-son. Ouais, y'a trop de pauvres depuis 54. Des pauvres claques, on a tous fait notre claque. La France est un cloaque, je dis qu'une chose, c'est de l'autre. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas possible, ça, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas possible, ça, yo. Allez, vas-y, DJ Abdel, scratch-moi ça. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas possible, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas possible, ça, yo. Bah, ils ont raison, les députés UMP. Le rap, c'est dangereux. Bonsoir, c'est Patrick Sabatier. Je vous retrouve tous les mois pour une nouvelle émission sur TFA, Pognon. Dans Pognon, je recevrai des vedettes pleines de pognon qui viendront pour le pognon. Mais toute l'équipe de Pognon vous fera aussi découvrir, parce que ça existe, des gens inconnus qui sont pleins de pognon. Pognon, une nouvelle émission faite par ceux qui ont du pognon pour se faire encore plus de pognon. Avec Téléstar et Pognon, tous les mois, gagnez 12 francs. Et forcément, on a pris tout le pognon. Pognon avec Patrick Sabatier, ce soir 20h30 sur TF1, la chaîne du bonheur. T'as pas de pognon? Regarde le nôtre. Qu'est-ce que t'en as à foutre, hein? Qu'est-ce que t'en as à péter? Sans transition économie, revenons sur une des plus belles réussites de ces 10 dernières années, regardez. Qu'attendez-vous d'une banque? Bah, qu'elle prête du pognon. D'accord. 3 milliards? D'accord. Qu'attendez-vous d'autre d'une banque? Bah, qu'elle me reprête 2 milliards. D'accord. Mais au Crédit Lyonnais, nous vous offrons plus. Ouais, ok, bonhomme. Nous pouvons venir vous réveiller gratuitement à 6 heures. Oh, quoi? Bonjour, vous êtes bien monsieur Tapie? Nous pouvons déménager gracieusement vos meubles. Eh oh, vous allez où les mecs là? Ça va pas, non? Mon plumeur! Nous pouvons venir vous prendre à votre domicile. Mais lâchez-moi, bordel! Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Crédit Lyonnais, que pouvez-vous attendre de plus d'une banque? Et quel motorisé découvert de 300 francs? Ça va pas. Hein? Y a pas écrit banque là. Faut pas rester là, monsieur. C'est pas l'histoire. Ah, non, mais ça va pas! Crédit Lyonnais, y a pas écrit banque là. Allez, viens, planche à roulettes, je te dis qu'elle est bonne! Bernadette, Jacques, on va avoir des problèmes. Mais non. Bah, allez, moi, je tiens plus, j'y vais. Jacques. Oh, putain, elle est bonne. Viens, je te dis. Elle est un peu fraîche au début, mais après, on veut plus en sortir. Jacques. Je fais la baleine. Hop. Jacques, tu sors maintenant. Oh. Ah. Ah. Faut en profiter, maman, parce que quand on va passer à l'euro, ben, on aura pied, là. Toujours la confusion donc dans ces élections. On me signale que CNN diffuse en ce moment le portrait du nouveau président. On peut avoir l'image? C'est un indice, reste à savoir s'il s'agit de l'âne démocrate ou du bourricot républicain. On commence avec ce scandale dans les élections américaines. Lors des débats télévisés, moment majeur de l'élection, George W. Bush aurait été aidé par une oreillette reliée à ses conseillers. Non ? Bah, des spécialistes en communication ont vu que vous aviez une grosse bosse dans votre dos, sous votre costume, là, comme un boîtier. Non, c'est pas vrai. C'est mon costume qui est mal taillé. Bah, on voit vraiment une sorte de boîte rectangulaire, quand même. Souris, mais ne réponds pas à cette question. Hein?
Pardon ? Parle plutôt du 11 septembre. Le 11 septembre, les États-Unis ont changé de monde. Bah, y a encore quelqu'un qui vous parle dans l'oreillette, là. Ne réponds pas à cette question. Tout de suite, une question de Madame Lapère de Loche. Qui a dit « Les pruneaux, c'est comme les pommes, mais en plus petit. » Oh, c'est pas vrai. Qui c'est qui a touché à la fréquence, là ? C'est RTL, merde. C'est pas vrai. Qui c'est qui a touché à la fréquence, là ? Mais non, abruti. Tu répètes que quand on te parle dans l'oreillette. Mais non, abruti. Tu répètes que quand on te parle dans l'oreillette. Oh, putain. Oh, putain. Bonjour. Bonjour. C'est ici le bureau de vote ? Oui, madame. Maintenant, la petite. Bonjour. Bonjour. Vous allez où ? Bah, je vais voter. Très bien. Vous avez votre carte d'électeur ? Oui, bien sûr. Très bien. Et vos papiers ? Oui. Vous pouvez les voir. Bonjour. Pas vous sur la photo, là ? Bah, si. Vous êtes venu comment ? En voiture. Vous avez les papiers du véhicule ? Mais vous êtes sûr que c'est nécessaire ? Papiers du véhicule. Voilà. Pas votre voiture sur la photo, là. Bah non, c'est moi. C'est mon permis. Je suis pas plus malin. Bon, on passe au questionnaire. T'étais où, là, en septembre ? Non, mais qu'est-ce que c'est que ces questions ? Je viens juste voter. Ok, mauvaise réponse. Constitution, quelle année ? 1776. Mais ça suffit maintenant, hein. Laissez-moi passer. D'accord. D'abord, tu dois faire 3 fois le tour de l'immeuble à cloche-pied. Non, mais c'est quoi, ça ? Ça y est, monsieur. Je peux y aller ? Attends 2 minutes. Bon, ok, j'ai compris. Je vais faire les 3 tours. Vous pouvez me tenir ça ? Oh putain, mais fallait le dire. T'es de la famille. Je fais pas les 3 tours, alors ? Mais faut rigoler. Allez-y, mon cher monsieur. Hop, hop, hop. Toi, par contre, t'en fais 3, là. 5 portes. Peinture chromée disponible en 6 teintes différentes. Moteur Mercedes 220 chevaux, système hybride, filtre à particules. Frein ABS de série. 12 airbags pour une meilleure sécurité. Vitres teintées. Sellerie cuir et système autoradio Bluetooth avec enceinte Harman Kardon. Vous avez devant vous la plus belle voiture de sa génération. Reste plus qu'à trouver un travail pour vous la payer. Ministère du Travail. Rêvons ensemble. Voilà, sans transition, mondiale de l'auto, après le triomphe de la Twingo, le patron de Peugeot sort ses griffes et contre-attaque en direct. Monsieur Calvet, ah, on me signale que Monsieur Calvet aurait du retard. Je pense qu'il devrait arriver d'un... Ah ben le voilà. Excusez-moi, j'ai eu un problème de voiture. Alors, votre contre-attaque, Monsieur Calvet. Peugeot aime la jeunesse et sort spécialement pour elle la 106 Jeans Disco, avec des sièges modulables qui peuvent bouger comme ça. Oui, bien, merci, monsieur. Laissez-moi finir, hein, et comme ça aussi. Très bien, merci, monsieur Calvet. Je vous rappelle que la 605 Peugeot détient toujours le record du monde de la voiture la moins polluante, puisqu'elle ne roule que derrière les dépanneuses. Numéro 31, un rotor arrière d'hélicoptère. Un Jean-Pierre, ça peut tout faire. Voilà, sans transition et au hasard, football encore. L'équipe de France, elle, a été privée de match d'ouverture. Non, on regarde pas. Mais coach, j'ai dit non. À 2 jours d'un match, on regarde pas les autres. On n'est pas des spectateurs, on est des acteurs. Ah mais excusez-moi, pardon, bonsoir. Pourquoi mon copain Dugarry, il a le droit de regarder, lui ? Lui, c'est pas pareil. À 2 jours d'un match, ça peut pas lui faire de mal de voir à quoi ça ressemble le football. Surtout que des Brésiliens qui marquent des buts en jouant bien, ça ne peut que mettre des mauvaises idées en tête. L'événement de ce jeudi 30 mai, c'est le match d'ouverture du Mondial qui aura lieu demain entre la France et le Sénégal. Chez les supporters sénégalais, la tension est à son comble. Allez, allez, Sénégal ! Allez, allez, Sénégal ! Allez, avance, allez, avance,
on t'encule. La France, la France, on t'encule. Oui, il y a la toujours France, des hooligans, France, hélas. On t'encule. Voilà, sans transition, football, si la France est éliminée dès le premier tour, beaucoup vont perdre des fortunes. TF1, bien sûr, qui a acheté tous les matchs, mais aussi toutes les marques qui ont associé leur nom à la victoire des Bleus. Pourtant, certaines d'entre elles gardent confiance. Trouille Magazine, le mensuel de la France, les boutiques Chocotte, les jeudis de l'angoisse, les meubles au secours, les penderies patates au fond du filet, les lampes panique à bord et les porte-fenêtres, ça passe ou ça casse, présente le match contre l'Uruguay. Putain, si on me met une olive là, je fais 10 litres d'huile. Trouille Magazine, le mensuel de la frousse, les boutiques Chocotte, les jeudis de l'angoisse, les meubles au secours, les penderies patates au fond du filet, les lampes panique à bord et les porte-fenêtres, ça passe ou ça casse, vous ont présenté le match contre l'Uruguay. C'est vrai qu'il y a une tension, mais bon, on ne voudrait pas faire le jeu du Danemark. Si t'es pas capable de battre le Sénégal... Si t'es incapable de battre l'Uruguay... Si t'es pas foutu de battre le Danemark et qu'en plus, tu mets pas un seul but en 3 matchs. Alors tu seras un gros tocard, mon fils. Zinedine Zidane, une carrière exceptionnelle qui ne doit pas être ternie par cette dernière image de lui en finale de la Coupe du Monde 2006. Zidane est avant tout un joueur exceptionnel, immense, unique. Tout le monde se souvient des 2 buts qu'il a mis en finale de la Coupe du Monde 1998. Zizou, au contraire, bon, tu devrais monter sur le corner, là. Pourquoi, pardon ? Il y a le ballon, bon, mais il a traité ta mère, je dirais, bon, de grosse vache. Quoi ? Zizou, bon, ben là, je viens de voir le ballon, bon, ben... Je dirais qu'il a dit que ta sœur, bon ben, elle était chauve et qu'elle avait un œil qui dit merde à l'autre. Quoi ? Tant sur le plan physique que sur le plan esthétique. Oui, Zidane est avant tout un homme qui a reçu un don unique. Et aujourd'hui, il a droit à une retraite paisible sans qu'on lui rappelle ce dernier moment pénible. Voilà, monsieur Zidane, et mes amitiés à votre maman. Ma maman, quoi ? Un homme simple. Quoi ? Tu traites pas ma sœur de kinésithérapeute ? Alors, respectons-le. De toute façon, c'est ça ou un coup de boule. Hein ? Dis-moi, Nicolas, tu comptes retenter encore ta chance en 2022 ? Pour la présidentielle, non. Mais pour la Coupe du Monde au Qatar, j'ai encore une bonne carte à jouer. Allez-y, prince. 6, prince. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Rue de la paix, j'achète. Vous cherchez quelqu'un ? La prince, elle dit qu'elle achète tout votre immeuble. Mais ce n'est pas à vendre. La prince, elle dit qu'elle met 40 millions d'euros. C'est vendu. La prince, elle dit qu'elle va en faire un hôtel tout de suite. Sortez. Allez, sortez. On est... Sept, prince. 5, 6 et 7. J'achète. Impossible. C'est déjà à vous, prince. Relancez. 12, prince. 11 et 12. On est où ? Avenue Foch. J'achète. 8 et 9. Aïe, caisse de communauté. Vous devez payer des impôts en France. Garde chance. En tant que ressortissant qatari, je suis exonéré d'impôts pendant 5 ans. Bien joué, prince. Le prince du Qatar, invaincu au Monopoly depuis 20 ans. La SNCF vous informe que la gare Saint-Lazare vient d'être rachetée par le prince du Qatar. Ça y est, chez les 4 gares, ça va douiller. Oh, quelle beauté le Qatar ! Tu as vu ça, chérie ?
80 kilos sur le dos, 15 heures par jour pour 2 dollars par mois. Le rêve. Moi, ça me donne des frissons. Oh, j'ai chaud. Je suis sûr qu'il y en a un par ici. Ça sent l'ouvrier népalais. Oh, regarde, il est carrément incrusté dans le pilier. Celle-là, je vais la mettre tout de suite sur mon mur Facebook. Spéciale dédicace pour Martin Bouygues. Bon, on peut y aller maintenant. Mais attends, pour une fois qu'on trouve une destination intéressante. Ah, il fait chaud. Oh zut, je l'ai raté. Vous ne pourriez pas le refaire? Allons-nous-en. C'est quand même magnifique, la loi de la nature libérale. Les plus faibles disparaissent et les plus riches restent. Oh. Cheers. Pierre. J'arrive. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Souvenir. Ah. Quand je rentre, j'organise une soirée de diapo au MEDEF et à Pâques, on se fait la tournée de tous les chantiers de la Coupe du Monde. Bah, qu'est-ce qui vous fait rigoler comme ça, Johnny? C'est ce truc-là? Ah, contiens-toi bien, pépélé. Tu vas rigoler aussi. Bon, ça ne fait pas de fumée, au moins. Ah que non, que ça, c'est une boîte à coucou. Bon, bah, calmez-vous, mon vieux, calmez-vous. Ah, quand même, Bonaldi, il connaît pas la boîte à coucou. Jérôme, Bonaldi. Oui, oui, d'accord. Mais montrez-nous comment ça marche, qu'on en profite un peu. Ah, que c'est facile. Tu te penches vers la boîte, et quand tu lui fais coucou... Ah, que ça marche pas. Ah, que coucou. Ah, que les sourdes, cette boîte à coucou. Coucou. Ah, ah, qu'elle est mal réglée. Alors, je recommence. Coucou. Ah oui, en effet, ça fait coucou. Ah, que vas-y, toi, PPD, fais coucou. Ah non, non, j'ai pas du tout envie de faire coucou dans tout le monde et... Ah, que je te dis de faire coucou, PPD. Que tu vas rigoler. Bon, 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 d'accord. Coucou. Ah. Ah, que ça marche. Ah, que ça marche. Voilà, alors je vous rappelle le titre principal de cette édition. La boîte fait coucou quand on lui fait coucou. Sans transition show business, notre ami Johnny nous fait l'amitié d'être sur notre plateau ce soir. Alors Johnny, vous venez nous annoncer une grande nouvelle, c'est ça? Quoi ça? Une grande nouvelle avec Laetitia. Les petits quoi ça? Laetitia, votre fiancée, une grande nouvelle. Que oui, que je vais me divorcer. Mais non, Johnny, vous allez vous marier d'abord. Vous marier? Attendez que je regarde sur mon agenda. Ah, que vous avez raison, que c'est Vincent Dindon qui divorce. Ah, vous nous avez fait peur, hein. Donc quel type de bien vous recherchez? Un trois pièces. Et votre situation professionnelle, c'est? Je suis en CDD, mais ma femme est en CDI chez Renault. Aïe. Ça vous fait quoi par mois, à deux? On arrive à 2000 euros. Ah, là, on n'aura rien pour vous. Ah bon? Ah non, là, c'est cuit. Et en deux pièces non plus? Ah non. Un studio, alors? Bon, même pas, non. Mais et qu'est-ce qui nous reste, alors? Bah, il vous reste la forêt. La forêt. En France, c'est la crise. Et il y a plus de 3,5 millions de mal logés. Mais heureusement, il y a la forêt. 200 000 kilomètres carrés. Ouais, alors on a calculé avec maman, ça fait 500 mètres carrés de forêt chacun. Donc vous êtes chez moi, là. La forêt, la vie, la maison, la forêt. Ding dong. Oui, j'arrive. Bonsoir. Ah, monsieur Borloo, ça va? Bien, bien. Alors, je viens visiter mes logements sociaux, les 400 000 qu'on a construits. C'est gentil. Entrez. Alors, j'avais pas dit ça, hein? Bonjour, madame. Vous êtes bien installée, là, non? Hein? Oui. Je vous fais un café? Eh bien, écoutez, c'est pas de refus. Vous êtes quand même mieux ici, non? Hein, franchement, les squats, là, non, non, c'était plus possible. Les enfants ne sont pas là? Dans leur chambre. Je peux? Mmh.
toc. Ouais. Alors les gars, qu'est-ce que vous faites? Bah, regarde la télé. Attention, pas trop la télé, les enfants, hein. Faut faire ses devoirs aussi. Votre café, monsieur Borloo. Ah, merci. Le sucre? Oui, hein. Merci. Ah, ça me tenait à cœur ce projet. C'était le mien, il fallait que je le fasse, quoi, hein. Surtout quand je vois le résultat, je me dis, j'ai bien fait. Tant pis pour le travail, les heures, les angoisses. J'ai embêté Chirac avec ça, mais... mais ça valait le coup. Quand je vous vois là, moi, ça me... ça vaut toutes les médailles. Les logements sociaux, Jean-Louis Borloo en a rêvé. Après, il a rencontré Jacques Chirac. Puis bon, vous connaissez la suite, hein. Semaine dans Automoto, comparatif entre deux familiales leaders sur leur segment, le Volkswagen Charan et le Renault Espace. Alors, autant l'avouer d'emblée, si nous avons été bluffés par l'habitabilité du Charan où une famille de 4 peut vivre aisément, nous avons été déçus par la conception de l'espace. Et en particulier par les attaches centrales des ceintures de sécurité qui ne s'abaissent pas et interdisent un troisième couchage au centre. En revanche, nous avons apprécié sur les deux modèles les rangements fonctionnels disséminés un peu partout. Nouveau bon point pour le Charan, avec un coffre d'un volume de 3 enfants contre 2 pour l'espace. Dans les deux cas, on aurait en revanche aimé un toit ouvrant en série pour l'évacuation des fumées de cuisson. Si vous voulez recevoir des amis le week-end, là encore, avantage au Charan, dont tous les modèles sont équipés dans le coffre de 2 sièges repliables très conviviaux. Et s'il vous reste un peu de votre prime de licenciement pour mettre de l'essence, notons malgré tout la plus grande sobriété du moteur français. Ainsi qu'un plus grand miroir dans le pare-soleil qui permettra à madame de se maquiller avant son rendez-vous à Pôle emploi. Voilà! En conclusion, si le Renault a quelques arguments à faire valoir, la qualité allemande est au rendez-vous et correspond plus à ce qu'on attend d'une voiture moderne. Un lieu où il fait bon vivre. Ah bah, il est pas gêné celui-là. Tout David Guetta qu'il est, c'est quand même très mal élevé. Trouve pas, maman? Ça passe des 10 dans les dancing jusqu'à 5 du mat, et le lendemain, il n'y a plus personne. Rideau! Je comprends pas ces gens qui ressentent le besoin de sortir jusqu'à pas d'heure pour se mettre la tête à l'envers. Si tu veux mon avis, maman, ce sont des gens pas très heureux dans leur quotidien, hein. Oh, génial! Nadine Morano! Salut Patrick! On se connaît pas, mais c'est Bébert qui m'a invité! Moi, je sais même pas qui c'est, mais on s'en fout, hein. C'est la fiesta! Allez, rentre ma poulette! J'ai amené un cubi! Génial! Hé les gars, c'est Nadine qui a amené un cubi! Ah, l'ambiance! Elle est géniale! Et on fait tourner les serviettes! Comme des petites girouettes! Ça nous fait du monde! Comment je fais tourner cette serviette? Elle est géniale, hein! Et on fait tourner les serviettes. Allez, danse du ballet! Allez, Pat, tu commences! Oh, la danse du ballet, c'est génial, hein! Allez, allez! Approche tes mains à ma taille. Pour pas que la chute déraille. Si tu pouvais viser autre chose que mon oreille, ce serait génial! Oh putain, elle l'a mis dans le pif! C'est génial! Ouais, c'est la fête! Super! C'est génial d'aller se coucher, non? Ouais, tu rigoles, c'est la fiesta! La fiesta! La fiesta! La fiesta! La fiesta! Allez, avec moi, Patoche, allez! Le curé de Camaret a les couilles qui pendent! Le curé de Camaret a les couilles qui pendent! Et on fait tourner les soutifs! Les soutifs! Les soutifs! Ah ouais, tu respectes rien, alors, hein? Allez, viens, on va racheter un cubi! C'est la fiesta! La fiesta! La fiesta! Ah non, mais je veux plus faire la fiesta, moi! Plus jamais! Jamais! Allez, viens! C'est pas un peu fini, ce barouf, là? On te pisse à l'arrêt, du con! Elle est pas avec moi, hein, je la connais même pas!
Et puis on prend cette nouvelle incroyable. François Bayrou, candidat à la présidentielle qui plafonnait à 4%, vient de faire un bond dans les sondages depuis son passage chez Ardisson. Il est aujourd'hui crédité de 4,5%. Ouais, incroyable, hein, l'effet Ardisson, 0,5% d'un coup dans les sondages. Non mais ça va pas, François. Rien à foutre, moi, maintenant je fume des rails, j'écoute de la musique Pequeno et je fréquente les boîtes à derrière. Oui, on dit boîte à partouze alors. Oh non, 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 partouze quand même pas, non. Allez les filles, Ardisson m'a indiqué une boîte super, il paraît. Oula, François, non, non, c'est quoi cette boîte? Je sais pas, ça s'appelle le fion qui suinte. Thierry a réservé pour moi. Religion maintenant, le conclave est donc ouvert et tout le personnel du Vatican a prêté serment, jurant de ne rien révéler de ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment pontifical. Messieurs, tout ce qui se passe au conclave reste au conclave. Putain, c'est un vrai tatouage. Il manque pas des dents. Oh merde, mon fils. Véribat de conclave. On comprend mieux pourquoi ils font ça derrière un rideau. Bonjour les enfants, c'est Lara Fabian. Ce soir, c'est Noël. Et je sais que le plus beau cadeau dont vous rêvez, c'est d'avoir quelqu'un comme moi à aimer. Et quelqu'un qui illumine vos vies ternes d'un rayon d'espoir. Alors ce soir, pour vous, pour que vous puissiez m'aimer encore plus, je vais chanter Petit Papa Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, souliers, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Oh non, là, non. Déjà qu'il y a 50 ans, j'avais raté Tino Rossi. Coq Gaulois, Ariel, une première. Marie-Josée Pérec, vous êtes une grande championne. Oui. Et pour vous, le confort à l'entraînement, c'est important. Oui, c'est pour ça que je porte les maillots le Coq Gaulois. Avec le Coq Gaulois, je me sens plus forte et plus belle. Et pour laver mes maillots, le Coq Gaulois recommande la lessive Ariel. Ariel, c'est le respect des textiles et l'assurance d'une propreté impeccable. Coupé, c'est parfait, Marie-Jo. Ariel qui préconise les machines à laver Brandt. Non, c'est bon, Marie-Jo. Brandt qu'on trouve chez tous les revendeurs d'Arty qui vous dépannent en 24 heures avec des utilitaires Renault qui a choisi les carburants Total. Où on vous accueille avec un sourire éclatant grâce au dentifrice Anogil appliqué avec une brosse à dents Elgidium chaque matin après un bon bol de ricoré et chaque soir après une tisane de l'éléphant. Mais s'il n'y a plus de... pas qu'il n'y a plus de place là. S'il n'y a plus de place, il faut prendre un téléviseur plus grand, Thomson 16/9 et bien sûr utiliser des radiocassettes. Et si vous êtes dans le noir, utilisez une torche pas de glace. Voilà, je suis donc avec Marie-Jo Pérec. Alors Marie-Jo, déjà, merci d'être restée avec nous. Un mot simplement, pourquoi avez-vous quitté Sydney comme ça? Parce que c'était insupportable. Moi, je pouvais plus, moi. Trop de pression, trop de haine, des gens qui me parlent. Et puis à l'hôtel, les agressions sans arrêt. Des agressions? Quoi? Tu me crois pas, t'y étais? Non, mais je... Alors tu ferais mieux de pas parler sans savoir, toi. Tous les matins, la fille, elle rentrait dans ma chambre avec son couteau.
Hein? Mais où? Comment? Ah ah, ça t'embouche un coin, hein? Tous les matins, l'autre, elle rentrait avec un plateau, avec dessus un couteau, de l'eau bouillante et des épines. Marie-Jo, c'était juste un plateau de petit déjeuner avec du thé et des roses, c'était plutôt gentil. Toi aussi, t'es avec eux? Eux qui? Les autres, ceux qui veulent me mettre la pression pour que je perde. Le FBI et les Chinois. Vous avez besoin de repos maintenant? Non, je veux plus dormir, c'est là qu'ils attaquent quand on dort. Mais Marie-Jo, personne ne vous veut du mal. Tu sais mieux que tout le monde, toi. J'ai la preuve dans une vidéo. On essaye de m'assassiner en me jetant une cheminée d'usine dessus. Mais je m'en fous, je cours plus vite avec mes pieds en pneus. Non mais ça c'est une pub, calmez-vous. T'es avec eux, toi aussi tu veux me mettre trop de pression, hein? Et puis arrêtez de me filmer vous, je suis pas une bête et ça suffit. Arrêtez avec les projecteurs, ça me met la pression dans les yeux. Marie-Jo, je vous jure qu'on vous aime bien. C'est vrai? T'es amoureux de moi toi? Je vous aime bien, oui. Oh, mon mari va te péter la gueule. Moi, je peux plus rester ici. Il y a trop de pression médiatique. Laissez-moi. Laissez-moi, je vous dis. Je veux partir. Laissez-moi. Vous me rattraperez jamais. Jamais. Allez, cours, Forrest, cours. Mais là, je crois qu'on l'a perdu, là. Allez, la suite. Voilà, je suis maintenant avec le professeur Sylvestre, vice-président des laboratoires Servier. Monsieur Sylvestre, votre laboratoire a proposé d'indemniser les victimes du Mediator si elles acceptaient de retirer leur plainte. Vous voyez, on n'est pas les salauds que tout le monde décrit. Bah, si, justement, vous voulez acheter le silence des victimes. Mais quoi? Ça non plus, c'est pas bien. Mais vous êtes jamais content, vous. On tue des gens, ça râle. On indemnise les mourants, ça râle aussi. Bah, oui. Avant de crier, attendez de voir ce qu'on propose. Hein. On se fout pas d'eux. Ah bon? Alors déjà, pour ceux qui sont morts, ils ont plus besoin de rien, donc on propose... rien. Non, c'est monstrueux. Attendez, c'est pas fini. Pour ceux qui souffrent de malformations cardiaques, qui peuvent plus faire de sport, on leur propose 20% chez Decathlon. Non, enfin, s'ils peuvent plus faire de sport, ça leur sert à rien. Bah, pourquoi tu crois que Decathlon, il a accepté de faire moins 20%? Ensuite, pour ceux qui peuvent plus marcher, une paire de chaussures. Une seule? Bah oui, ils peuvent plus marcher, ils risquent pas de les user. Hein. Non, je crois qu'il vaut mieux attendre le procès. Hein. Ah, dommage. Pour ceux qui ont contracté une paralysie faciale à cause du Mediator, ils passent à côté de quelque chose. Hein? Et vous leur proposiez quoi, à eux? Une boîte de maquillage de luxe de chez Sephora. Quoi? Bah, paralysie faciale, ils ont plus d'expression, donc faut dessiner. Avec un rouge à lèvres, on peut se faire un beau sourire. Du crayon marron pour se froncer les sourcils quand on n'est pas content. On peut se noircir une dent pour faire rigoler les copains. Non, arrêtez, vous êtes odieux. Hein. Vous avez conscience que c'est catastrophique pour l'image du laboratoire Servier. Ça va, dans l'affaire du Mediator, on n'est pas les plus à plaindre. Hein. Nous, le Mediator, on l'a vendu, on l'a pas avalé. Hein. Bien ce que je disais, vaut mieux attendre le procès. Hein. Voilà, je suis donc avec Philippe Douste-Blazy. Monsieur le ministre, jusqu'où peut aller la caricature? En effet, alors, la caricature, c'est l'excès, par définition. Donc, par définition, elle n'a pas de limite. Ah, liberté totale, donc. En effet. Mais si, comme aujourd'hui, des extrémistes menacent de représailles les pays qui caricaturent librement? Alors, en effet, dans ce cas, on arrête tout de suite et on interdit la caricature. Hein? Ah oui, donc, la liberté totale, sauf si les gens ne sont pas contents. Ah ben oui. Mais c'est la porte ouverte à la censure, ça, non? Pas du tout, non. Il faut caricaturer avec intelligence, avec finesse. La critique, oui, mais de qualité. C'est-à-dire? En effet, j'y viens. Tenez, ce matin, dans l'Humanité... Ah, vous lisez l'Humanité, vous? Bah oui, je suis communiste. Je suis bien communiste? Non. Ah, autant pour moi. Mais basta, tenez, ce dessin dans l'Huma, il est corrosif, incisif, hein, d'une violence inouïe. Ouais. Oh ben, tout de même, regardez, le chien dit « Il a neigé, que dirais-tu d'une partie de pétanque d'hiver ?» Le chat, là, répond « Comment y joue-t-on » Et là, le chien sort, saisit une boule de neige et la jette, comme on peut le voir là, avec violence sur la tête du chat. « Tu fais le cochonnet, le reste, c'est comme la pétanque d'été, lui dit-il. Mm-hmm. » Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a de corrosif là-dedans? Mais c'est évident, tout le monde sait que les chiens n'aiment pas les chats. Et qui peut douter ici que ce dessin n'est autre qu'une métaphore du conflit israélo-palestinien? Moi. Enfin, en effet que si, regardez. Le chat à un bonnet, c'est donc un palestinien. Et le chien, là, avec ses longues oreilles qui pendent, là, c'est les papillotes d'un israélien juif orthodoxe, c'est évident. Bon,
et la boule de neige lancée. Qui peut douter que c'est une évocation de l'intifada ? Moi. Oui, mais ça c'est parce que c'est une caricature fine et que du coup, vous ne saisissez pas la signification. Vous voyez quoi, vous ? Ben moi, je vois juste un gag tout pourri de Pif le chien. Ah oui, dites donc. Oui, oui. Ah, vous avez raison. Oui, c'est vrai que c'est tout pourri. C'est une bonne leçon. Faut pas rentrer dans l'analyse, faut rester sur le principe. L'événement de ce mercredi 7 janvier, c'est cette nouvelle campagne de prévention après l'alcool, la cigarette. On commence donc par cet attentat ignoble. Trois terroristes islamistes sont entrés dans les locaux de Charlie Hebdo et ont sauvagement assassiné des journalistes. Cabu, Sharp, Volinsky, Tinius sont décédés. Ouais. Oh, putain, j'y arrive pas. Ah, oh, j'ai chié, merde. Qu'est-ce que vous faites, Guy ? Ben, ces enfoirés, ces sauvages, ces idiots ont tué les plus grands caricaturistes de France, des amis. Donc je prends des cours de dessin. Ah. Sans Charlie Hebdo, il ne reste plus que les caricaturistes de Montmartre. Et je ne pense pas qu'on va défendre la liberté d'expression en décidant Louis de Funès avec un gros pif. Alors ? Oui, le message passe bien. Tu te fous de ma gueule, Stignacoué ? C'est quoi cette couture ? Allez, tu me refais ça. Oh, écoutez-moi. Je sais que ce boulot, il est important pour vous. Sans quoi, vous seriez sans doute dans la rue ou peut-être même à sauter sur les genoux d'un gros touriste allemand. Ouais, ou sur des mines. Quoi qu'il en soit, les associations des droits de l'homme ont décidé qu'on ne pouvait pas vous faire bosser avant une dizaine d'années. Pour être clair, vous êtes viré. Alors vous passez à la compta prendre votre bol de riz et vous rentrez chez vos parents. Évidemment, pour ceux qu'on a encore, pour les autres... Il va falloir prendre des cours d'allemand. Vous êtes gentils, les gars, mais comment je la fais tourner, notre usine, maintenant ? Bah, t'inquiète, Bill, on a pensé à tout. Tu peux les faire entrer, Bob ? Voilà, des ch'tis vieux bien de chez nous. Français, grec, espagnol. Allez-y, installez-vous. La vache, ils en veulent, les pépés, hein. Bah, tu m'étonnes, c'est pas avec leur retraite de misère qu'ils vont s'en sortir, hein. Ce boulot, pour eux, c'est leur seul moyen de survie. Bah ouais, Bill, c'est pour ça qu'ils nous coûtent pas cher. Bah, en plus, on n'a pas à payer leur cotisation retraite, hein, vu qu'ils y sont déjà. Bah, sans compter qu'on va gagner en productivité. Ah bon ? Bah, avec leur poche urinaire, plus besoin de pause pipi. Premier jour de tournage, l'objectif est de passer un mois dans les maisons de retraite françaises pour enquêter sur la situation de nos aînés qu'on dit désastreuse. J'ai rendez-vous dans une maison de retraite au nord de Cholet. Je dois rencontrer une aide-soignante qui va me faire part de sa difficulté à travailler. Alors, racontez-moi comment sont traités vos pensionnaires au Bégonia. C'est l'horreur. On n'a aucun moyen. Parfois, je me retrouve seule dans le bâtiment pour m'occuper de 70 personnes âgées. Seule pour 70 ? C'est inimaginable. Ah oui, mais c'est comme ça. C'est effectivement la triste réalité. Je me suis rendu dans plusieurs maisons de retraite de la région, et à chaque fois, c'est le même constat. Nos seniors sont laissés la plupart du temps livrés à eux-mêmes. Et donc, vous n'avez vu personne depuis deux jours ? Non, c'est mon copain René qui m'emmène à la cantine. Sinon, j'aurais rien mangé depuis deux jours. Mais paradoxalement, cet homme a de la chance, car d'autres seniors n'ont pas les moyens de se rendre en maison de retraite et sont abandonnés seuls chez eux. Ma famille n'est pas venue depuis un an. C'est ma voisine qui me livre mes courses, mais elle est en vacances. Je mange les croquettes du chat pour survivre. Je quitte la province pour remonter vers Paris, où les conditions des personnes âgées s'améliorent, comme j'ai pu le constater dans une maison de la proche banlieue. Bonjour. Mamie, alors combien je vous sers de... Vous voulez trois sucres ? Alors, 15h, Luc et Xavier, Scrabble avec mamie Gingin. Fais la partie à 100 000 euros. Hein, mamie ?
16h, Patrick et Isabelle, spectacle de claquettes. Mamie adore ça. 18h, on regarde tous questions pour un champion avec mamie. Nicolas, je lui ai fait son lit. En portefeuille, j'espère. Mamie Zinzin, la grand-mère préférée de l'UMP. T'as vu ça, maman? Les nouveaux gendarmes de Saint-Tropez. Ah, on est loin de Funès et Galabru, hein. Mais remarque, heureusement qu'ils sont là, hein. Boire un verre en terrasse de nos jours, ça relève de l'acte militant. Et tu vois, avant les attentats tragiques, on avait une mauvaise image de la police. Les gens les voyaient comme des beaufs, obsédés, corrompus. Et après ça, eh ben c'est les mêmes, mais on a une autre image d'eux. C'est important, l'image, crois-moi, maman. Voilà, je suis maintenant avec le chef de la police de l'Oklahoma, Bob Sylvestre. Oui, bah aussi. Hier, dans votre état, un policier de 73 ans a tué un noir à bout portant alors qu'il était immobilisé au sol. Oh, ça va, c'est un accident, hein. Il a confondu son flingue avec un taser. Oui, enfin, c'est dramatique. Bah non, là, on fait des efforts, bordel. C'est la première fois que c'est un vrai accident. Le mec voulait même pas le tuer au départ. Oui, enfin, s'il était déjà plaqué au sol, pourquoi vouloir le taser? Parce que c'est rigolo, un noir qui se fait taser. T'en fais un Jackson 5 en 5 secondes. Il a les cheveux dressés sur la tête, c'est du délire. Non, mais c'est pas possible. Après un coup de taser dans les couilles, il a une voix de castra. Cheveux afro, voix de castra, t'as Michael Jackson pour 220 volts. Mais comment c'est possible de laisser un policier de 73 ans faire des arrestations? Les vieux chez nous, ils veulent tous rentrer dans la police, hein. Parce qu'ils touchent pas de retraite? Non, pour tuer des noirs. Quoi? La police, c'est le seul endroit où tu peux tuer des noirs sans aller en prison. Là, ce matin, on a engagé un vieux, il a 102 ans. Mais il tire comme un de 85. Non, mais c'est une blague. Bon, au moins, lui, il aura une raison de tirer, hein. On pourra pas lui reprocher de pas avoir coursé le négro, hein. C'est scandaleux. Oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes tatillon? Vivement que les républicains reviennent au pouvoir, hein, qu'on puisse faire ce qu'on veut. Non, mais vous faites déjà ce que vous voulez. Ouais, mais là, en plus, on touchera des primes de risque. Enfin, vous risquez rien. Nous, non, mais les Noirs, si. Et oui, il n'y a que dans les films que les flics américains sont gentils. Ces événements se déroulent aujourd'hui en France, sur 24 heures. Des prostituées qui se prostituent? J'arrive tout de suite. Embarquez-moi ces putes. Quoi? Un mendiant qui m'en dit? J'arrive. Allez hop, embarquez-moi ce mendiant. Allez hop. Quoi? Des tziganes dans une roulotte? J'arrive. Allez hop, embarquez-moi ces tziganes. Allez. Quoi? Un voisin qui fume un joint? J'arrive. Quoi? Un piéton hors des clous? J'arrive. Quoi? Une femme en mini-jupe? J'arrive. Quoi? Des jeunes qui mangent un kebab? J'arrive. Quoi? Un faux numéro? Vous êtes qui? Vous avez vos papiers? Vous êtes où d'abord? J'arrive. Ces événements se déroulent en France de nos jours, enfin tous les jours, 24 heures sur 24, pendant 5 ans. Et ça m'étonnerait que vous tombiez accro. Police nationale, toujours après les images choquantes vues sur TF1 dans 7 à 8, où des agents tutoient et maltraitent des jeunes, Nicolas Sarkozy a demandé aux policiers de respecter les jeunes et de les vouvoyer. Bonjour, police nationale, Grégory? Oui, chef. Comment on dit « tu peux me montrer tes papiers » en langue « vous » ? Ah bah, fastoche. « Tu peux » en « vous », ça donne « vous peux ». Ah ouais, merci, oui. Bon, « vous peux me montrer tes papiers ou je te fous votre gueule dans un transfo EDF ». Et puis, futilité futile pour finir, attention. Plus menaçante que le SRAS, la grippe du poulet arrive en France et elle est très dangereuse. Elle peut même être mortelle. Pardon.
À Canal+, on ne couche plus avec des mannequins ou des comédiennes, c'est ringard. Nous, à Canal, on couche avec un cheval. Et me fais pas des miettes, hein, je t'ai mis des biscottes. Ah là là, que du bonheur. Le cheval, des sensations bien. Voilà, le site donc avec Lionel Jospin et Jacques Chirac. Messieurs, c'était aujourd'hui votre dernière sortie officielle ensemble. Ouais. Hein? Pendant la campagne, donc, l'État continue de fonctionner. Voilà. C'est ça, ouais. Oui. Vous faites la gueule, donc. Du tout. Pourquoi je ferais la gueule? Ils me traitent de vieux sénile usé et fini. Au contraire, j'apprécie. Bon, ça va, hein? Qui est-ce qui m'a traité de fasciste? T'aurais préféré fumier, manipulateur de juges? Si vous aviez le courage d'aller les voir, les juges, vous n'en seriez pas là. Bon, ça suffit, là. Hein? C'est lui qui a commencé. Quoi? Moi? C'est toi? Le maire. Comment est-ce qu'on en est arrivé, là? Je sais pas. Et pourquoi on se fait du mal? Je sais pas, Jacques. Je sais pas. On est restés 5 ans ensemble. Où est-ce qu'on a merdé? Hein? Où ça? Ton regard a changé. Lentement, tu t'es détaché. Peut-être. J'ai des torts. Mais bon Dieu, j'avais tout lâché pour toi. C'est vrai? Mais oui, je te l'ai jamais dit, mais si j'ai dissous l'Assemblée, c'était pour te séduire, pour être qu'avec toi. C'est vrai? Tu me l'avais jamais dit. Ah, je sais, j'aurais dû. Mais tu te souviens au début comment on riait? Ah oui, à Lille, la première semaine, on était heureux, le soleil brillait. Jamais je n'oublierai ton sourire ce jour-là, jamais. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, tu le sais très bien, nos familles. C'est vrai. Ils n'ont jamais voulu qu'on soit ensemble. Sarkozy, mon fils, mon sang, si tu savais le mal qu'il voulait que je dise de toi. Je sais, Hollande était pareil. Ah oui, Lionel, notre histoire, c'est celle d'un amour impossible. Roméo et Juliette. Les Capulet et les Montaigu, oui. Il n'y a pas d'issue à notre histoire. Ah si, il y en a une. Laquelle? Ce poison. Buvons-le ensemble. Oui, qu'à jamais nous soyons réunis. Ouais, c'est l'issue. Tiens, bois. Non. Bois d'abord, mon amour. Je ne veux pas que tu me vois mourir. Non. Vas-y, t'inquiète pas, je tiendrai le coup. J'insiste. Non, bois, mon amour. Ouais. Toi, t'essaies de me niquer. Mais bois, bordel! Lâche-moi, vieux sénile usé! Espèce de fasciste! Hein. Escroc voleur! Trotskiste! Eh ben, vivement qu'il divorce de là, parce que moi, j'en ai jusque-là, hein. Les Arabes. Tu les aimes, les Arabes? Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a plusieurs qu'il y a des problèmes. Oh. Et les jeunes banlieues? Tu les aimes? Ah bah, je mettrais bien un coup de karcher là-dedans, moi. Tu les aimes, les Noirs aussi? Le problème, c'est que les Français, ils ont l'impression qu'ils sont plus chez eux. Et les réfugiés politiques? Qu'on les remette dans les bateaux. Et les Roms? Tu les aimes, les Roms? Dans un avion pour la Roumanie, oui. La méprise, c'est lui qui a les idées. C'est elle qui monte dans les sondages. Là du jour, c'est ce nouvel équipement que met désormais la SNCF au service des usagers. SNCF, just walk. Événement de ce jeudi 10 avril, c'est la suppression de la carte famille nombreuse qui permettait aux familles d'avoir des réductions à la SNCF. Après, les vaches, ce sont les familles nombreuses qui vont regarder passer les trains. Voilà, sans transition, une fois n'est pas coutume, on termine par une petite publicité. Mon amour, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, tu es la femme de ma vie et je voudrais que tu acceptes de m'épouser. Oh mon Dieu, mais c'est un billet de train. Il est magnifique. C'est un Paris-Strasbourg, tu es fou. Tu as dû truiner, mon chéri. Oui, mais rien n'est trop beau pour toi, mon cœur. Un billet de train est éternel. Oui, la suppression de la carte, socialement, c'est pas terrible, mais ça va faire du bien de plus entendre des gamins brailler dans les trains.
On revient maintenant sur cet autre drame survenu ce week-end. Trois jeunes filles mineures ont été fauchées sur une autoroute après avoir été expulsées d'un train par deux contrôleurs inconscients. T'as pas de billet, tu sors du train. Mais j'ai 12 ans, je vais aller où? On s'en fout, pas de billet, pas de train, dégage. SNCF, attention, un gros con peut en cacher un autre. Insécurité maintenant, Nicolas Sarkozy était ce matin dans le train Nice-Lyon où il a annoncé la création d'une police ferroviaire de 2500 hommes. Une révolution pour la SNCF. Bonjour, je voudrais un Paris-Nantes aller-retour s'il vous plaît. Première ou deuxième? Deuxième. Je pourrais avoir une place-fenêtre? Non, il n'y en a pas. Les places-fenêtres sont réservées à la police des trains. Oh, bon, bah, couloir alors. Il n'y en a pas, c'est réservé à la police des trains. Bah, comment je voyage, moi? Bah, debout, les mains en l'air. Vous avez vos papiers? Bah, là, non. Bon, bah, faudra les avoir pour le voyage, hein. Voilà, sans transition reportage. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup des cheminots, des fonctionnaires, mais quel est leur quotidien? Regardez. Social, maintenant, on parle beaucoup de la réforme des régimes spéciaux de retraite. Les cheminots manifestent pour défendre leur statut. Mais sont-ils vraiment des privilégiés? Un reportage de Claude Dumas, Vincent Escalier et Sarah Missakian. Il est 14h seulement et Jean-François, conducteur de train Corail, a fini sa journée. Il est temps pour lui de regagner son domicile. À 14h30 à peine, Jean-François est déjà rentré dans son appartement à Rueil-Malmaison, dans la banlieue parisienne. Un appartement de 600 mètres carrés, acheté cash avec ses primes de fin de mois. Après un détour par son jardin d'hiver, où il entrepose sa collection de plantes ramenées de tous les pays du monde, pays qu'il a le temps de visiter puisque Jean-François, comme tous les cheminots, a 6 mois de congés payés par an. Il passe par son salon et contemple sa collection de vases Ming et son Picasso, acheté en 2004 grâce à son 15e mois. Il est 19h30. Jean-François va passer à table. L'une de ses trois cuisinières lui a préparé un plat à base de caviar, sa femme Martha étant absente pour une semaine, partie au Maroc acheter un riad pour leur fils aîné. Ce soir, Jean-François met son smoking pour aller à l'opéra où il dispose d'une loge à l'année. Il pourra rentrer tard chez lui, car demain, il est de repos, comme un jour sur deux quand on travaille à la SNCF. Un bien bon reportage sur le métier de cheminot. Sont-ils ou non des privilégiés? À vous de juger, pour ma part, je pense que oui. À demain avec un magnifique reportage sur un prof de maths qui collectionne les jets privés et les manteaux de fourrure. Alors bien sûr, cette croissance se ressent surtout dans les milieux financiers. On retrouve le petit pays des gens heureux, Jean-Pierre Gaillard, à la Bourse de Paris. Eh oui Patrick, ici la tendance est à l'euphorie. Le CAC 40 devrait bientôt passer la barre des 3300 points, nouveau record historique. Les valeurs françaises sont toutes à la hausse. Valeo 492 plus 1,23, Thomson 1000 plus 3,95, Esso 559 plus 5,87, Consortium du Tripot 1234 plus 8,95, Général des Eaux 905 plus... Monsieur Gaillard? Jean-Pierre? Excusez-moi, j'ai joui. Monsieur Gaillard, je vous remercie. Le libéralisme, c'est la liberté. La liberté pour chacun d'entreprendre, de créer, de devenir son propre patron. Comme vous. Ouais, ouais, je suis mon propre patron. Mais bon... Pas de fausse modestie. Ce que vous êtes devenu grâce au libéralisme, n'importe qui peut le devenir. Ah, ça oui, oui. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous a donné le goût de la réussite et de l'entreprise? Bah, ça faisait 2 ans que j'étais en fin de droit à Cédic. J'en étais sûr. C'est la preuve que la suppression des aides sociales donne le goût d'entreprendre. Ah non, je touchais encore le RMI, mais avec une femme, 2 enfants, j'y arrivais pas. Eh oui, tandis que maintenant... Bah, j'y arrive pas non plus, mais j'ai pas le choix. Mais vous êtes votre propre patron, c'est ça l'important, montez sa boîte. Bah, ça va bientôt faire 5 ans que je fais ça quand même. Félicitations! Savez-vous que 76% des jeunes entreprises périclitent après leur première année? Bravo! Merci. Sans rien révéler qui puisse nuire à votre position sur le marché, vous avez certainement d'autres projets pour votre boîte. Diversification, des fusions-acquisitions, l'international peut-être. L'autre chaussure. Attentif aux clients, hein? C'est bien. Oui, oui. Je vous dois combien, monsieur le chef d'entreprise? On donne ce qu'on veut. Eh bien, voilà 5 francs. Attendez, c'est rare ça! 5 balles! S'il vous plaît, je vous rappelle que le libéralisme, c'est aussi les bienfaits de la concurrence. Et il y a plein d'autres entreprises qui sont prêtes à me cirer les chaussures pour beaucoup moins que ça. Il faut s'adapter au marché ou disparaître. Mais t'es un enfoiré, toi! Modérez-vous! Vous allez perdre un client. Car pour ces 5 francs, je vous ai aussi fourni un conseil. L'un dans l'autre, vous faites une affaire. Alors, qu'est-ce qu'on dit?
Après avoir visité les usines Continental à Clairoy et Technicolor à Angers, notre jury composé de Laurence Parisot du MEDEF, Lakshmi Mittal, patron du groupe Mittal, et Philippe Varin de PSA, partent aujourd'hui en Savoie à la rencontre de Michel, dont l'entreprise n'est vraiment pas comme les autres. Bon, déjà la porte est ouverte. C'est très étonnant. Bonjour. Ah, bonjour. Bienvenue dans mon usine. Bonjour, bonjour. Je vais vous faire visiter. Allons-y. C'est quoi ce bruit ? Des machines. Hein ? Vous avez des machines ? Oui. Épaté par cette découverte incroyable, notre jury continue sa visite. Et il n'est pas au bout de ses surprises. Ah, très bonne idée d'avoir mis des faux ouvriers pour décorer. Ce sont des vrais. Faut avouer que découvrir deux ouvriers français dans une usine en 2013, ça valait la peine de faire 500 km pour voir ça. Même si c'est un peu désuet. En tout cas, je verrais pas ça chez moi. Ils ne sont pas français quand même. Si, pourquoi ? On peut les toucher ? Allez-y. C'est mou. Au départ, j'ai cru que c'était des mannequins. Et puis quand je me suis approché, j'ai vu qu'ils étaient vivants. C'était moche et sentait mauvais. C'est dingue, hein ? Des ouvriers dans une usine en France. Vous avez trouvé dans une brocante ? Mais non, ça fait 40 ans qu'ils travaillent ici. Incroyable. Et vous avez vu ce qu'ils fabriquent ? Des couteaux ! En France ! Décidément, le jury n'en revient pas. L'usine de Michel est encore plus extraordinaire que ce qu'ils imaginaient. Là, on a vraiment la perle rare. Ah oui, c'est vraiment l'usine la plus originale de France. Oh, c'était mignon comme tout là-dedans, j'en étais presque jaloux. Du coup, j'ai racheté l'usine, j'ai viré tout le monde et j'ai envoyé les machines en Asie. Mon usine est la plus originale de France. Pas sûr qu'ils aient assez de candidats pour faire une saison 3. Il n'y a pas à dire, en ce moment, le meilleur job sur cette planète, c'est dictateur. Regarde Kim Jong, Bachar. Ils ont la vie belle, hein, les mains libres. Ouais, à part quand l'ONU leur fait une petite résolution. Hein. Là, ils ont les chocottes. Hein. Mais de mon temps, j'aurais envoyé De Villepin taper du poing sur la table. Et je peux te dire que... Bah, que ça n'aurait rien changé. Hein. Dans le fond, notre monde, c'est l'inverse d'Hollywood. Eh ouais, c'est toujours les méchants qui gagnent à la fin. Aujourd'hui, c'est Arnold Schwarzenegger qui nous accompagnera tout au long de ce journal avec le nouveau gouverneur de Californie. Nous reviendrons sur les Oscars qui auront lieu ce week-end à Hollywood. Monsieur Schwarzenegger, vous êtes un ancien comédien et je suppose que c'est un grand moment pour vous. Ouais, le cinéma, c'est good. Le cinéma, c'est fun. Le cinéma, c'est Hollywood. Yeah! Et vous avez un favori pour meilleur acteur? Peut-être des infos? Non. J'espère juste que ce sera pas un PD qui gagnera l'Oscar. Oula, bon, on va y revenir. Ce week-end, c'est les Oscars, la fête du cinéma. Non, ce sera la fête si aucun PD ne remporte d'Oscar. Oui, on sait que vous êtes contre le mariage homosexuel, mais là, c'est pas le sujet. On parle de cinéma. Ouais, mais dans le cinéma, il y a que des PD. Moi, dans mes films, il n'y a jamais de fiottes. Si jamais il y en a une, je la massacre. Ah oui, bon, on va changer de sujet. Hein. Vous avez une favorite pour meilleure actrice ? Non, j'espère juste que ce sera pas une Gwyn qui remportera l'Oscar. Non, mais ça suffit. Vous êtes fous. La sexualité des gens, ça regarde que. Revenons sur la cérémonie qui sera en léger différé suite à l'incident Janet Jackson qui a montré un sein lors du Super Bowl. Vous craignez que ça se reproduise ? Non, cette fois, toutes les mesures ont été prises. Ah oui, vous êtes en différé ? Non, il n'y aura pas de noir dans la salle. C'est moi qui fais l'entrée et je les laisse dehors. Ah, d'accord, oui, les noirs non plus. Bon. Enfin, Hollywood, ça reste les paillettes, le strass et les actrices superbes. Demi Moore, Andy McDowell, Jennifer Lopez. Non. Comment ça, non ? Il n'y aura pas Jennifer Lopez, c'est une Porto Rican. Et il n'y aura pas Chicano, c'est moi qui suis à l'entrée. Mais oui, oui, et vous ne laissez pas rentrer, d'accord. Mais il n'y aura personne à cette cérémonie ? Si, il y aura moi et Steven Seagal. Ah oui. Bon, sinon, nous, on est très fiers. On a un film français représenté dans la catégorie meilleur film étranger, Les Triplettes de Belleville. Non. Ah, ça non plus. Et pourquoi ? Il n'y aura pas de film étranger parce que j'aime pas les étrangers. Ouais. Vous jouez mal dans tous vos films, mais là, dans le rôle du gouverneur, vous vous surpassez, hein ? La suite.
le savez peut-être, pour des raisons obscures, Télédimanche aurait de plus en plus de mal à faire des reportages sur TF1. Mais cela n'empêche pas l'émission de Michel Denisot de conserver tout son intérêt à regarder. Salut. Télédimanche, c'est toute la télé en une heure. Notre invité de la semaine, il a 42 ans. En 4 ans, il a vu passer les plus grands de la télévision française. C'est Jacques Meunier, le portier de Canal+. Ça va, Jacques? Oui, monsieur Denisot. Alors, en ce moment, on parle beaucoup du nouvel autocollant du parking. Est-ce que c'est bien? Bah, disons que c'est plus pratique que la carte, c'est sûr. Alors, Télédimanche est allé filmer les coulisses. Là, c'est monsieur Gildas. Il a encore la vieille carte, alors. Alors, forcément, ça met plus de temps. Voilà. Et là, c'est monsieur Decaune. Avec l'autocollant, il passe plus vite. Salut. Sinon, des projets? Non. Bien, merci Jacques. Voilà, c'était Télédimanche. La semaine prochaine, nous recevrons Robert Delebert, le chef de la cantine d'Arte. Salut. Et pour finir, petit détour par le village de Montjouillard, où un homme continue contre vents et marées à perpétuer une tradition bien de chez nous. C'est au cœur du Jura que Raymond Chollet, 76 ans, exerce toujours son activité avec l'assurance de l'artisan aux gestes mille fois répétés. Maintenant, les jeunes, ils font ça avec leurs ordinateurs et tout ça. Pour moi, c'est pas du boulot. Raymond est spécialiste du commentaire raciste anonyme, mais à l'ancienne. Tout au ciseau et à la colle. Et n'essayez pas de convaincre Raymond du bien fondé du racisme high-tech, c'est peine perdue. En plus, c'est écrit tout petit. Après les Arabes et les Nègres, autour des Roms de nous envahir. Vite, Marine. Ouais, à la limite, le texte est pas mal. Mais le type, il a écrit ça en quoi, 10 secondes? Non. Une insulte raciste digne de ce nom, ça se conçoit, ça se fabrique patiemment. À chaque étape, on prend le temps de ressasser sa haine. Et pour Raymond, la haine, par correspondance, c'est une vieille histoire de famille. Oh, ça c'est sûr. Et pendant la guerre, j'en ai passé des heures sur les genoux de papa. Manifestement très ému, nous laissons Raymond à sa nostalgie d'une époque où le racisme anonyme était encore l'œuvre de véritables orfèvres. Et oui, une histoire bien émouvante sur un savoir-faire ancestral qui, malheureusement, disparaît, injustement dépassé par les nouvelles technologies. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous envoyer tous vos commentaires sur le site de TF1, anonymat garanti. Aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Raffarin, donc, qui nous accompagnera tout au long de ce journal. Avec lui, nous reviendrons sur la réforme des retraites et sur son discours qui est très bien passé dans les médias. La retraite, c'est de la vie en plus de la vie. Ah bon? Oui, la retraite, c'est des mots fléchés en plus des mots fléchés, de la belote en plus de la belote, des bas avarices en plus des bas avarices. La retraite, c'est de la mort en moins de la mort. C'est beau. Vivement la retraite, mais on va y revenir. J'ai... Hein? Les gens dans la rue, les manifs. Aïe, trouvé. Hein? Tadam! Que c'est? Jean-Yves, prof manifestant. Et un bébé gorille. Ça va, Jean-Yves? Absolument. Ah, il est mignon, le singe. Hein? Ça mange quoi? Je ne sais pas, c'est pas moi. Hein? Ah, qui c'est, le singe, là? Pas important. Jean-Yves manifeste. Ta, 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 ta. On est d'accord? Ouais. Ça fait du désordre, du chambard, d'accord? Oui, Jean-Yves? Absolument. Il faut donc calmer Jean-Yves, d'accord? Et les singes, ça mange quoi? Mais non, pas singe. Mais... gorille. C'est là que c'est malin. Ah ben non, malin, c'est comme un singe. Jean-Yves? Absolument. Peu importe. Vous allez voir, c'est fascinant un gorille. C'est doux comme un agneau, on dirait une peluche. Il n'y a qu'une seule chose que ça ne supporte pas un gorille. Ah, c'est quoi? Qu'on touche à son enfant. Et non, ramasse là le Jean-Yves, hein? Absolument! Ah ben, il y a deux Jean-Yves, dis donc maintenant. Il y a Jean le haut et Yves le bas. Hop! Un peu Jean-Yves. Voilà! Et? C'est ça ma solution!
On distribue un bébé gorille par foyer. Et le premier qui descend dans la rue pour manifester contre Jean-Pierre, hop, je lâche la mère. Je crois que t'es pas que crevé, toi, hein. T'es en train de nous tourner ma boule, hein? Non, mais parce que je pensais que... Je vais trouver. Complètement chlasse, le Jean-Pierre. En tout cas, maintenant, je sais, hein, les gorilles, ça mange du Jean-Yves. Absolument! Voilà, je suis donc avec Jean-Pierre Raffarin, monsieur le Premier ministre, la France est dans la rue. Visiblement, travailler plus longtemps pour avoir la même retraite, ça passe mal. Non, il faut que les Français réapprennent à se lever tôt. Oui, c'est ce que vous avez dit au Canada, ça. C'est violent, quand même. Non, il faut qu'ils réapprennent à se lever tôt et à se coucher tard aussi, et à travailler le week-end et les jours fériés jusqu'à 70 ans. C'est pas un peu maladroit de dire ça, en ce moment? Non, car c'est la réalité. Si la France veut rester un pays riche, il faut que les Français réapprennent à être pauvres. Dis-donc, El Gringo, là. Bonsoir, monsieur Chirac. Ouais, salut, ouais. Alors, El Gringo, c'est quoi tous ces gens dans la rue, là? On a encore gagné une Coupe du Monde ou quoi? Non, c'est rien, ça va s'arrêter. Vous connaissez les Français, ça gueule, mais ça pisse pas loin. Darvor, c'est une raffarinade ou il est devenu ma boule? Je sais pas, c'est une idée à vous, ça, proche de la France d'en bas, tout ça? Proche. Quand je disais proche de la France d'en bas, je voulais que ce soit lui qui descende, pas eux qui montent. Mais ne vous inquiétez pas, je les tiens, c'est des Français, c'est peureux un Français. Regardez l'Irak, ils sont même pas allés faire la guerre, ces poules mouillées. Ah, il est ma boule donc, hein? Non, je vous dis que je ne lâcherai rien. Jean-Pierre, mon gringo, mon gars de chez Jacques Vabre, faut être souple un peu. Ils gueulent, faut faire semblant de les écouter. Non, j'écoute rien. On fonce, on va les avoir, ils vont craquer. Mais puisque je te dis qu'ils gueulent dans la rue, qu'ils sont un million. Non, moi, on ne me fait pas changer. Moi, quand je dis non, c'est non. Eh bien sûr, mais là, c'est de la politique. Non, on s'en fout de la politique. Moi, j'écoute pas, moi, je fonce, moi. Pif, paf, je te refais les réformes. Pim, poum, je te pose du placo au plat. Bim, boum, lit dorure, elle est toute neuve, la France. Ouais, oui, mais les Français, ils aiment qu'on leur dise oui. Alors, tu vas dire oui, même si tu penses non. Ah oui, c'est très politique, ça. Voilà. 40 ans que je tiens avec ça, alors. Non ! Viens, on fonce, on s'en fout ! Non, on fonce pas. Voilà ce que tu vas faire. Les Français gueulent, tu écoutes. Attention, t'écoutes, mais t'entends pas. Tu dis oui, mais au fond de toi, tu penses non. Pour obtenir non, faut dire oui, mais, et dans mais, il y a le non. Mais tu le dis pas, hein. Tu dis oui, c'est comme non. Vas-y, dis-moi oui. Non. Putain, il est bloqué sur non. C'est grave? Ah bah, le dernier qui était bloqué sur non, c'était Juppé, hein. Ah bah, c'est pas fini, alors. Je vais ressortir mon vélo, moi. Depuis 95, j'y avais pas touché. Ah bah, le vélo, c'est comme Juppé, ça s'oublie pas. Hein. Pas faux. Manifestation, la mobilisation est générale. Partout en France, on défile contre la réforme des retraites. On voit ici le défilé à Paris. Sauvons nos retraites! Raffarin, t'es foutu! Ici, le défilé à Marseille, très imposant. Sauvons nos retraites, Raffarin, t'es foutu! Et là, à Toulouse. Sauvons nos retraites, Raffarin, t'es foutu! Ah, la ville rose, c'est un parfum particulier, quoi. Voilà, je suis maintenant avec Nicolas Sarkozy, le grand vainqueur de la réforme des retraites. Oui, oui, on sait, vous avez promulgué le texte de la réforme ce matin. Ah ouais? Et pas besoin de descendre dans la rue, hein. J'ai pas perdu un jour de boulot. Contrairement aux mecs des raffineries Total qui ont lâché 12 jours de salaire et qui ont fini le mois à bouffer leurs chaussures de sécu. Monsieur Sarkozy. Bah, regarde ma fiche de paye. Il n'y a pas un jour chômé, tu peux vérifier. Nico présente tous les jours, 20 000 euros net. Vous êtes content donc? Ah bah assez, ouais. Hier, on a fait tout un pataquès sur De Gaulle. En attendant, en mai 68, il avait fait dans son uniforme. Hein, et il était parti s'exiler en Allemagne, le grand Charles. Bah, vous ne pouvez pas vous comparer à De Gaulle. Ouais, c'est vrai, la comparaison s'arrête là. Puisque moi, les manifestants, je les ai matés. Tellement je suis inflexible. Tellement je suis fait en titane, tellement je suis Bruce Willis dans un cassable. Enfin, vous pouvez pas critiquer des gens qui se sont battus pour leurs droits. Bah si. Quand je pense qu'il y en a qui sont venus de Lozère en bus pour manifester en bouffant des œufs durs et en buvant des bières chaudes. Bah justement, il y avait de la détresse. Hein. Bah j'espère au moins qu'ils ont fait un peu de shopping, hein. Sinon ils sont vraiment montés pour rien. Bah vous vous moquez là. Ouais, ouais. Ah, c'est à mourir de rire. T'as vu la tête des gars qui venaient d'Albi? 15 heures de bus sans clim, tout ça pour aller se prendre une bombe lacrymo et un coup de matraque dans le pif. Moi, j'appelle ça perdre son temps, hein, pisser dans un violon. Arrêtez. Bah, je peux pas, là. Hein. 3 mois que j'attends de me défouler, alors. J'ai un message pour Besancenot. Tu voulais faire un coup d'État et aujourd'hui, tu livres un colissimo. Alors, comment tu te sens? Ça va? Les jambes sont pas trop lourdes? Ah bon, moi, j'ai trouvé les manifestants très courageux et très responsables. Bah, on n'a pas dû voir les mêmes. Moi, je les ai trouvés moches et mal habillés.
D'accord. Pour vous, la réforme des retraites, c'est un succès. Un premier succès. Après, je liquide la sécu et les congés payés. Tellement les Français, c'est des moutons, tellement je les ai piétinés, tellement la France, j'en ai fait mon clébard. Ouais, je sens qu'au prochain remaniement, il y aura beaucoup moins de ministres de gauche. Et la suite. Voilà, sans transition, nous retrouvons nos amis de e-télévision en direct de Bagdad libéré, Denis Chalandier et Michel Lecomte. Denis, vous êtes avec un Irakien heureux et libéré par la coalition pacificatrice anglo-américaine, c'est ça? Denis? Oui, Patrick, effectivement, nous nous trouvons aux côtés de Mokhtar, jeune habitant de Kerbala, un Irakien enfin libéré de la dictature sanguinaire de Saddam Hussein. Alors, Mokhtar, heureux? C'est-à-dire, oui. Mokhtar, vous êtes enfin libre, ça compte! Oui, c'est bien. Oui, Patrick, Mokhtar est encore sous le choc. Il vient de découvrir la démocratie, la liberté, et il en est tout étourdi. Oui, sûrement, c'est ou il est tout étourdi par la liberté, ou alors qu'il fait la gueule parce qu'on y a rasé sa maison, mais bon... Michel, on vous entend. Oui, mes parents sont morts. Ah, pardon. Mais t'excuses pas, Denis, la liberté, ça n'a pas de prix. Bon, Mokhtar, à part tes parents morts, heureux sinon? Non, Michel, pas de mauvais esprit. Laissez Denis faire son travail. Oui. J'ai plus rien. Mes parents sont morts. Mes fils sont morts. Ma maison, elle est par terre. Il n'y a plus d'eau. On n'a rien à manger. Eh oh, ça va, il n'y a pas marqué SAMU social, là. Non, mais Michel, vous êtes fou ou quoi? Bah oui, non, là, Michel. Mokhtar, la liberté est belle quand même, non? Je sais pas. C'est trop d'un coup, là. Je sais pas. Oh. Aïe, il chiole le Mokhtar. Hey, les ricains, ils t'ont détruit ton village, mais ils vont te le reconstruire, ils ont dit en mieux, hein? Hein, un McDo, un coca, une grande frite, elle est pas belle la vie? Puis avec un peu de chance, dans 2 ans, t'es obèse. Explique-lui, Denis, la liberté, tout ça. Oui, mais là, il va vraiment pas bien. Oh, vrai, ça, qu'est-ce qu'ils sont rancuniers, ces Irakiens? Et souris un peu, mon conseiller, c'est la démocratie à l'américaine qu'on t'offre. Arrête de faire la gueule un peu, tu vas voir, c'est génial, c'est un truc où tu votes pour un mec, c'est celui qui a perdu qui gagne. Mais Michel, ça suffit. Bon, Denis, essayez de trouver quelqu'un d'un peu plus enthousiaste. Ouais, c'est ça, un mec qui aurait pas perdu de la famille ou un orphelin de naissance. Michel, ça suffit. T'es bon, toi. Hey, 3 guerres de suite, 12 ans d'embargo, des millions de morts, on va avoir du mal à leur arracher un merci, là, tout de suite. Oui, mais Mokhtar, aujourd'hui, il est libre et heureux, hein, Mokhtar? Oui, je sais pas, j'hésite. Oh. Bon, hé, les parents, de toute façon, ça meurt un jour, les maisons, ça se reconstruit, puis les gosses, t'en refera, hein. Oui, mais j'ai perdu ma femme aussi. Oui, bon, hé, tu te démerdes, hein? On te dit que le plus important, c'est la liberté. Ah oui, c'est vrai, Mokhtar, franchement, que chacun y mette du leur et tout le monde y arrivera, hein? Bon, ici, Kerbala, où la population est enthousiaste. À vous, Paris! Après 4 mariages pour une lune de miel, après la meilleure boulangerie de France, le meilleur pâtissier ou un dîner presque parfait, découvrez la toute dernière émission où l'on note les candidats. Des enfants presque parfaits. Avec cette semaine, la famille Chambard et leurs 3 enfants, Guillaume 9 ans, Kelly 7 ans et Alexandre 4 ans et demi. Aujourd'hui, c'est le rangement des chambres, l'épreuve préférée de Kelly. Moi, ma technique, c'est de ranger au fur et à mesure. Dès que j'ai fini de jouer à un jeu, je le range, comme ça ma chambre est toujours nickel. Une technique que ne maîtrise visiblement pas Guillaume. Pour Kelly, c'était très bien. On lui met 9. En revanche, pour Guillaume et Alexandre, c'était vraiment pas terrible. On leur met 4 à chacun. L'heure est maintenant venue de noter les enfants lors du dîner familial. Alors Guillaume, qu'as-tu à nous raconter aujourd'hui? Ce midi, avec Kevin, on est allé faire du vélo près du terrain de foot. Même qu'à un moment, Kevin a failli tomber de son vélo parce qu'il y a un chien qui a traversé. T'aurais vu sa tête? Il a eu super la trouille. Vraiment, l'histoire de Guillaume, c'était d'un barban. Je lui mets 2. Ça vaut vraiment pas plus. C'est maintenant le moment du verdict. Et tous les enfants attendent fébrilement la décision de leurs parents. C'est dur, vous êtes tous les 3 mes enfants. Mais bon, c'est le jeu. Il a bien fallu vous départager. Kelly, on a trouvé ta performance régulière tout au long de la semaine, même sans briller. On t'a mis 7 sur 10. Alexandre, pour toi, c'était plus compliqué. T'as quand même fait 5 pipis au lit dans la semaine. On t'a mis 3 sur 10. Avec un 3 sur 10, Alexandre pourra-t-il éviter l'élimination? Écoutons maintenant la note de Guillaume, l'aîné des enfants. Guillaume, mon grand, tu es sans doute celui qui nous a le plus déçus, ta mère et moi. On aurait vraiment aimé te mettre une meilleure note, mais tes câlins manquaient vraiment de générosité. C'est pour ça qu'on t'a mis 2. Désolé, mon Guillaume. C'est toi qui es éliminé. Des enfants presque parfaits. Bientôt sur M6, ou sur TF1, ou sur Énergie 12, ou sur W9. Voilà, en transition,
Petite respiration, regardez. Chaque jour aux États-Unis, des millions d'enfants obèses n'ont pas la force d'aller à pied chez McDonald's, chez Pizza Hut ou même à l'école. Pour soulager la douleur de ces innocentes victimes, nous avons besoin du pétrole irakien pour nos voitures. La guerre en Irak. Parce que le sourire d'un enfant obèse américain devant un menu best-of, ça n'a pas de prix. Oh putain, c'est beau. Ouais, elle est juste notre cause, merde. Les dinosaures vivaient dans les années 80-90 de notre ère. Ils se nourrissaient tous de légumes appelés aussi vedettes. Ici, le foucosaure. Reconnaissable à son cerveau minuscule et à son cri strident. Ici, le jacosaure, un ancien oiseau dont les ailes se sont peu à peu transformées en gros sabots pour résister au désert. L'onivache. Ici, le plus ancien d'entre eux, le druckerosaure, très résistant et très malin. Il endormait ses victimes pour mieux se nourrir plus tard de leurs cadavres. Souvenez-vous, Johnny. Et vous pouvez admirer ici le plus redoutable, le terrible sabatosaure. Avec des dents qui dépassaient 1 mètre de long, il pouvait engloutir jusqu'à 300 patates par mois. Qu'est-ce que ça donne à foutre? Après leur tragique disparition en l'an 93 de notre ère, un seul de ces grands reptiles subsiste encore aujourd'hui, le gros pranil. Bonsoir. On le voit ici verser ce que l'on appelle des larmes de gros pranil. Dites, monsieur, pourquoi les dinosaures, ils ont tous disparu d'un seul coup de la surface de l'écran? Suivez-moi. Ils ont tous disparu le jour où l'homme normal est apparu. Il était beaucoup plus petit, certes, mais très vite, il s'est rendu compte qu'il pouvait faire aussi débile lui-même et pour beaucoup moins cher. On commence par les paris en ligne qui vont être autorisés en France. Les députés votaient aujourd'hui. Bonjour, c'est Paul Sarkozy. Oh non, il y a un problème avec ton émission. T'as pas assez montré mon tableau la semaine dernière. Je l'ai pas vendu. Tu le reprends. Oui, non, mais ici, c'est pas possible. On peut pas. Je suis le père de Nicolas. Je fais ce que je veux. Alors, t'exposes mon tableau, tellement c'est une toile majeure, tellement c'est un chef-d'œuvre, tellement la Joconde à côté, c'est du papier peint. Non, désolé, cette fois, c'est non. Ah, mais... C'est du bien quand même de résister au pouvoir, hein? Paris en ligne, donc, les députés ont voté un texte qui va permettre les jeux en ligne sur le territoire français. C'est lequel? C'est lui, là. Monsieur Sarkozy, qu'est-ce qui se passe? C'est vous, Darvaux? C'est vous qui ne voulez pas des peintures à papa? Non, c'est pas ça, mais comme on les avait déjà exposées toute la semaine dernière, on se disait, ah, tant qu'il n'a pas tout vendu, il fait de la promo à la télé, c'est compris? Merci, fiston. De rien. Et que j'ai pas à revenir, Darvaux. Si je vous ai déjà renvoyé TF1 avec un simple SMS pour placer Ferrari, me forcez pas à recommencer ici. Mais je m'en moque, j'ai décidé de résister. Je suis un journaliste indépendant. Ah ouais? Et si je vous fais virer du club de tennis de Neuilly? Ah non, pas club de tennis, non, pas le club, s'il vous plaît. Je passe un coup de fil à la Fédé et c'est réglé. Non. J'ai un tournoi samedi et j'ai un super tirage. Bah, on est d'accord, alors. C'est bon, papa, tu peux laisser les tableaux ici, tellement je vais faire de toi une vedette, tellement on est une famille d'artistes, tellement dans 2 semaines, t'es au Louvre. Peinture donc avec cette formidable exposition qui aura lieu à l'Espace Cardin à partir du 24 avril. Nous avons la chance d'être en compagnie de l'artiste,
Paul Sarkozy, le père de Nicolas. Oui, voilà, on a dit l'adresse et la date. Vous voulez rajouter quelque chose? C'est facile à trouver, mon expo. Elle est en face de l'Élysée. Oui. Je rappelle d'ailleurs que la fonction de votre fils n'est pour rien dans votre fulgurante ascension artistique. Quel talent! Jérôme, t'en as? De quoi? Bah, du sondage, du chiffre, des stats, t'en as? Non, j'ai pas été livré, trop chaud en ce moment. Non, arrête, ne fais pas ça à moi, tu sais bien que je suis accro, là. J'en ai pas. Fais pas ta pute, vas-y, balance. Non, je te jure, je suis pisté en ce moment, je veux pas tomber à un an des présidentielles. Non, hein. J'en supplie, je vais crever, là, si j'ai pas un sondage, là. Tu fais chier, hein. Je te dépanne, mais c'est sur ma conso personnelle, hein. Ah, super. 305. Oh, merci, t'étais mon meilleur ami, hein. Merci. Sondage... La droite gagnera à Paris avec 51% contre 49% à gauche, d'une courte tête donc, et c'est Philippe des Toubitry qui serait maire de Paris. Grosse déception pour Adèle et Franck, donc. Je sais pas pourquoi je sens que je me suis encore fait refiler du mauvais matos, moi. Législative, les Verts ne pourront pas participer à la campagne officielle à la télévision, ils n'ont pas rendu les formulaires d'inscription à temps. Oui, oh, ça va, c'est bon, on l'a perdu, ce putain de formulaire. Ça y est, j'ai retrouvé. Quoi? Fais voir. Hein? Mais qu'est-ce que t'as foutu, Spanky? Bah, un joint. On est pour ou contre la légalisation du cannabis? Mais c'est le formulaire du CSA, putain. Ah, au moins, elle aura servi à quelque chose comme ça. Voilà, je suis donc avec Doc Gynéco et Joey Star. Les enfants, Nicolas Sarkozy a enfin décidé de s'attaquer à la drogue. Oh, il a raison, hein. Faut qu'il se détende. Bah ouais, quoi. Tire sur le bédon, Nicolas, t'es tendu comme un string, là, quoi. Oui, non, Monsieur Sarkozy va prendre des mesures sévères, hein. Plus de tolérance, plus de jeunes branchés qui fument, plus rien, que des drogués. Que des drogués? Oh, c'est génial comme programme. Vive Sarkozy. Ah, vous trouvez que c'est bien aussi. C'est vrai, il n'y a pas de drogue douce ou de drogue dure, il n'y a que des drogues dures, c'est tout. Ah ouais, mais la drogue, elle est dure au début, hein. Si tu la chauffes avec un briquet, elle devient molle. Non. Plaisantez pas avec ça, hein. Les sanctions pour empêcher les jeunes de se shooter avec du tushi, comme ils disent, c'est très bien. Ah ouais, là, oui, se piquer au toshi font avoir des grosses veines, hein. Bah oui, c'est des irresponsables. Ouais, se piquer au toshi, pourquoi pas se rouler des seringues aussi, hein. Voilà, oui. Les drogues douces mènent aux drogues dures. Ouais, vaut mieux se faire un bon gâteau, quoi. Ah oui, une bonne tarte au citron, là, c'est bon. C'est... Ouais, ou au chocolat. Ah ouais, quoi. Eh, y a un petit chocolat marocain qui vaut son cake, quoi. Ah, moi, je préfère le chocolat suisse, hein. C'est parce que tu connais pas le chocolat marocain. Eh, c'est mieux que Merveille du Monde. Là, tu les vois vraiment, les éléphants. Oui, bon, allons. Alors, revenons sur la drogue, là. Les sanctions vont tomber, et sévères en plus, hein. Les jeunes qui fument, on leur confisquera leur scooter. Confisquer leur scooter? On va galérer pour se faire livrer les pizzas, là. Oh, putain, quoi. Si tous les fonce-dits, ils prennent les transports, le RER, il va être truffé de zombies, quoi. Un vrai train fantôme, quoi. Vous trouvez ça trop sévère, la confiscation du scooter? Non, c'est pas ça, mais pour les vieux qui fument, ils vont faire comment? Bah, ils vont leur confisquer leur charentaise, quoi. Non, les vieux, ils se droguent pas. C'est que les jeunes en scooter, il a dit, Monsieur Sarkozy. Ah oh, bon, tant mieux. Ah oui, il est temps de faire quelque chose. Vous savez que les jeunes Français sont ceux qui fument le plus au monde? Non. Si. On est les champions. Oui, non. Attendez, nous sommes à égalité avec les jeunes Hollandais. Ah ouais? Oh bah pas grave, quoi. On est en finale. Les braves petits, s'il n'y avait que des jeunes comme eux qui ne pensent qu'au sport, on n'en serait pas obligé d'avoir Sarkozy comme ministre. À la suite! Voilà, sans transition, Formule 1, dimanche, c'est le Grand Prix de Saint-Marin. C'est l'occasion pour nous de revenir sur les contre-performances de Jean Alési depuis le début de la saison. Un début d'explication avec les images de la caméra embarquée à bord de sa Benetton. Il reste un petit réglage à faire sur le pilote et c'est bon.
Voilà, sans transition, je reçois Jean Alési et le patron de son écurie, Flavio Briatore. Bonsoir. Bonsoir. Alors, hier ont eu lieu les premiers essais de la nouvelle Benetton. Elle est comment, cette nouvelle voiture, Jean ? Bien, bien. Elle correspond bien à mon pilotage. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai une façon bien à moi de conduire. Surtout une façon bien à lui de s'arrêter, mais bon. Ouais. Moi, je pilote sur le train avant. C'est-à-dire, je vais à fond, à fond, à fond, je freine à mort et je tourne. Et l'année dernière, ça n'allait pas. Et non, j'allais à fond, à fond, à fond, je freinais à mort et ça tournait pas. Donc, gravier, muret, pelouse. Et cette année, donc, ça va changer ? Il y a intérêt, non ? C'est vrai que vous avez été très dur, Flavio, avec Jean. Vous avez déclaré que c'était l'année de la dernière chance pour lui. Si, pourquoi ? Pour le moment, Jean, il n'est pas encore un vrai pilote. Pour l'instant, il est le ferrailleur le plus cher du monde. Oh non, vous êtes dur, là. Ah, mais non, c'est une chose qu'elle est dedans les gènes. Par exemple, Damon Hill, son père, il était champion de Formule 1. Son fils, il est champion. Jacques Villeneuve, son père, il était champion. Son fils aussi. Jean, ton père, il fait quoi comme métier ? Il est carrossier. Et voilà, ça, je l'invente pas, non ? Il fait comme il a vu. Il prend une voiture et boum, boum, boum. Mm-hmm. Donc cette année, vous lui avez demandé de s'impliquer davantage dans le déroulement d'un Grand Prix. Ça veut dire quoi ? Déjà, essayer d'arriver au bout. Hein? C'est pour, si c'est pour tout le temps, il casse la voiture, je peux le faire moi-même, ça, j'ai pas besoin. On reste dans les stands, on prend un marteau, on nique la voiture, ça va plus vite. Il y a vraiment rien eu de positif l'an passé ? Si, grâce à Jean, on a fait beaucoup d'économies d'essence. Un tour et basta. Les mécaniciens, ça fait un an qu'ils ont pas fait un ravitaillement. Hein? Lui, il peut te faire un Grand Prix avec un réservoir de mobilette. Donc cette année, la voiture a été faite exprès pour vous, Jean. Ah oui, je suis bien assis, je vois bien, il me manque que la radio. Non, je plaisante. Surtout que si j'avais une option à prendre, ce serait plutôt airbag. Non, je plaisante encore, parce que j'aime bien plaisanter, ça détend l'atmosphère dans l'équipe. Mais Jean, c'est sérieux la Formule 1. Oui, oui, cette année, je promets, je vais à fond, à fond... Je fais attention, attention, attention. Et surtout, tu gagnes des courses. À fond, à fond, à fond alors ? Mais non, sinon tu vas dedans les graviers. Eh oui, c'est ça mon problème dans la Formule 1. Si je vais à fond, je sors. Si je vais pas à fond, je gagne pas. Et comment on peut faire alors ? Managgia miseria. Vous voyez, il y a encore des réglages à faire, hein, et pas que sur la voiture. Peut-être qu'avec cette nouvelle voiture faite spécialement pour lui, ça va aller. Espérons. Pourquoi la voiture, elle est faite pour lui, mais lui, est-ce qu'il est fait pour la voiture ? Ah, c'est la question. Eh, ouais. Ben, on verra au Grand Prix d'Australie, et la suite. Parce que parfois, la vie ne tient qu'à un don. Parce que sans solidarité, certains d'entre nous perdraient tout espoir. Parce que tous les ans, des centaines de journalistes des chaînes info ne survivent que grâce à votre sang. Faites un geste. Prenez un avion. Visitez les quartiers nord de Marseille. Participez à un jeu de TF1. Faites vos courses dans une boutique cachère. Faites ce que vous voulez, mais pour qu'ils vivent, donnez votre sang. Hé les mecs, prise d'otage en cours avec nombreuses victimes. Ouais 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 ouais. On passe en alerte info. Priorité au direct, les Français veulent savoir. Le don du sang ? Parce que votre vie peut sauver la leur. Yves, vous m'entendez ? Oui, je vous entends, Patrick. Vous commencez sérieusement à me casser les couilles. Vous avez répété 10 000 fois qu'il se passe plus rien ici. Non, mais je me disais, bon, on ne sait jamais, des fois que... Mais il y a des fois, il n'y a pas des fois que, Patrick. Maintenant, je vais être obligé de le dire clairement devant tout le monde, tu m'emmerdes, Patrick. Hein ? Arrête d'appeler la nuit, n'écris plus, fous-nous la paix, point final. Demain pour un autre journal. Monsieur Fidel Castro, que pensez-vous de l'attitude américaine ? Vas-y, t'enchaînes les questions, hein ? D'accord, on y va. 5, 4, 3. Ah bon ? Et vous ? Merci, Fidel Castro. Elle est bonne. Suivante. C'est votre premier livre, cinquième livre, qui est bien. 5. 4, 3. Et vous en pensez quoi, vous, Monsieur Buch ? Merci, Monsieur Buch. La situation en Afghanistan, j'ai enquêté. Une chaleur intenable. Merci, Jean-Paul. Merci, Monsieur Arafat.
Merci, monsieur Yeltsin. Merci, monsieur Major. C'est bon, Patrick. Autant pour moi, il nous manque un truc pour le bêtisier, là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs... Bon... Aïe! Merci, c'est bon. Voilà, avant de refermer ce journal, je voudrais me tourner peut-être une dernière fois vers Yves Mourouzi. Yves, vous voulez pas répondre? Ah, c'est pas gentil, ça, Yves. Je dirais même que c'est pas très professionnel. Je suis vraiment un peu déçu. C'est pas du boulot, ça. Résultat, je sais même pas s'il se passe des trucs à Riyad, moi. Patrick! Ah, oui, Yves? Va te faire enculer, Patrick. Bonjour. Bonjour. Quel est l'objet de votre voyage dans le Golfe? Je viens faire mon travail de journaliste sur la guerre pour un magazine français. Fromage qui pue. Très bien, très bien. Dans ce cas, mettez-vous là. On va vous prendre en charge. Merci. Bonjour. Quel est l'objet de votre voyage dans le Golfe? Mademoiselle, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Françoise, c'est bon. On t'a mis dans la case coquillage. C'est au bout du village, à côté des terrains de volée. La quoi? Viens nous voir chez les Mustapha, dar, la dir, la dada. Y'a du soleil et des soldats, dar, la dir, la dada. On va t'enfourrer jusque là, dar, la dir, la dada. Pousse nana et moulkawa, dar, la... Tu vas voir, c'est cool ici, hein, les GS sont super sympas. GS? C'est quoi? Gentil soldat. Gentil soldat. Et nous, on est quoi? GC. Alors aujourd'hui, pour se défendre des méchants Irakiens, on va voir le Mawashigori, le coup de pied circulaire. Ah oui, j'ai déjà essayé sur les paparazzis, ça marche vachement bien. Hein. Mmh. Il y a tout pour se détendre, hein. Sport, gastronomie, bonne humeur. Nul, seul, zéro. Mais la couverture du conflit, alors? Quand est-ce qu'on l'a fait? T'inquiète, c'est prévu. Demain, il y a une excursion organisée sur la ligne de front. Faut juste s'inscrire auprès du chef de village. Ah, quand même. Bienvenue en Irak! Les journalistes, ils sont de retour sur la guerre du Golfe et ils n'ont pas fini de s'éclater en reportage. Alors, on a besoin de 3 GC à la piscine pour l'apéronautique. 3 GC. C'est quoi, GC? Allez, les gentils cons, 3 volontaires, 3! Après 127 heures, l'histoire d'un randonneur qui reste 6 jours la main coincée sous un rocher. Découvrez un récit encore plus extrême. Bonjour, Élise Ducey, journaliste depuis 1983, carte de presse 17654. Pourquoi votre société emploie-t-elle des enfants au Bangladesh? Pourquoi votre société emploie-t-elle des enfants au Bangladesh? Celui d'un homme coincé par Élise Lucet. Pourquoi votre société emploie-t-elle des enfants au Bangladesh? Une mésaventure qui tourne très vite au cauchemar. Pourquoi votre société emploie-t-elle des enfants au Bangladesh? 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 Deuxième nuit et première victoire. Après des heures d'efforts, j'ai pu récupérer un gobelet dans la poubelle. Je vais pouvoir boire mon urine. Pourquoi votre société emploie-t-elle des enfants au Bangladesh? Une expérience qui le mènera au bout de lui-même. Pourquoi votre société emploie-t-elle des enfants au Bangladesh? Pourquoi votre société emploie-t-elle des enfants au Bangladesh? Pourquoi votre... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que c'est pour le profit? Eh ben, jamais je le dirai! Jamais! Je préfère encore... Alors, c'est qui rigole maintenant? Pourquoi votre société emploie-t-elle un cadre assez stupide pour couper son bras plutôt que le mien? Pourquoi votre société emploie-t-elle un cadre assez stupide pour couper son bras plutôt que le mien? Non! 127 heures avec Élise Lucet. Vous n'en sortirez pas vainqueur. Cri
crise. En Bosnie, on a beaucoup vu les Américains, les Français, les Russes, mais on n'a pas beaucoup entendu les Européens. Monsieur Delors ? Et pourtant, les Européens ont eu un rôle déterminant. Mais lequel ? Toutes les grandes réunions ont eu lieu dans nos locaux. Réunion sur la paix, colloque sur le désarmement, convention d'entreprise, mariage, banquet, bar mitzvah, pensez à la CEE. La CEE met à votre disposition ses nombreuses salles équipées et climatisées. Rétroprojecteur, diaporama, salon vidéo. Dans un cadre agréable, à moins de 2 heures de Sarajevo, la CEE vous attend. C'est vrai. On n'y pense jamais à la CEE. Voilà, sans transition, la rentrée télé a été mouvementée, sauf pour ceux qui ont su garder la bonne formule, souvenez-vous. Bon, allez, merci l'Allemagne, mais les poils sous les bras, très peu pour nous, Annette. Hein. Bon, allez, on continue notre tour d'Europe pour mieux connaître nos voisins, et c'est génial. Alors, puisqu'on est sur les poils, on enchaîne avec les Portugais. Alors, Georges, qu'est-ce que vous avez de rigolo cette semaine ? Au fait, vous êtes plâtrier ou maçon, hein? Excusez-moi, c'était pour rire. Allez, on enchaîne. Cette semaine, recette des cuisines portugaises de Lisboa. La morue façon concierge. C'est très simple. Vous demandez à votre concierge de vous préparer un bacalao, un morue. Et voilà, c'est tout, c'est portugais. Et si vous n'avez pas de concierge, demandez à une femme de ménage. C'est génial. Et c'est l'Europe. Hey, à propos de portugais, j'en ai une petite. Là. Vous savez comment on reconnaît un avion portugais ? Non. Il a du poil sous les ailes. C'est génial, Patrick, bravo. Alors, l'Italie, hein, Ilario, alors on vous prête la parole parce que, attention, hein, faut nous la rendre. Hein. Non, parce que nous, les Italiens, on les connaît. Hein. Allez, on y va. Bien, aujourd'hui, j'ai envie de parler de la véritable Italie, l'Italie de mon enfance. C'est un pays magnifique, vous savez, mais comment exprimer un sentiment ? L'Italie, c'est un parfum. Excusez-moi, Ilario, pardon, mais qu'est-ce qui vous prend, là ? Je parle de mon pays, l'Italie, celle de Leonardo da Vinci, de Michelangelo... Ilario, mais on veut pas connaître votre pays, on veut connaître l'Italie ! L'Italie, la nôtre ! Ma l'Italia, attenzione, hein ! Quand vous vous baladez à Napoli en voiture, mettez votre montre au bras droit, hein, parce que sinon, avec le bras gauche à la fenêtre, on vous pique votre montre ! Il est formidable, Ilario, c'est génial ! Génial, l'Italie. Enfin, nous, on s'en fout. Hein? Ils volent jamais les Italiens. Hein? On parle que des contrefaçons. Hein? Et c'est ça, l'Italie qu'on aime. C'est génial, cette émission-là. Mais j'en ai une bonne, là. C'est un arabe, un nègre et un chinois. Ah non, non, Patrick, là, vous dérapez. Hein? Nous, on parle que de l'Europe, ici. Hein? Allez, on enchaîne. La Hollande, ce merveilleux pays où on fait du vélo en sabot en mangeant du fromage, une tulipe à l'oreille. D'accord, mais à part ça. À part ça, on se drogue aussi dans les moulins. L'événement de ce vendredi 30 mai, c'est bien sûr l'Europe qui passe de 15 à 25 pays. C'est un grand moment pour tout le monde. On voit là les 10 nouveaux pays qui entrent dans l'Europe. Ouais. Et là, on voit les 15 qui les accueillent. Ouais. Bon, bah, à la Lettonie. Et mon cher Eric, retour à ce premier concours Eurovision du disco xénophobe. Et oui, Brice, avec déjà l'attribution des derniers points. We call now Slovenia. Et nous retenons notre souffle puisque la France est en troisième position. Good evening, Ljubljana. Good evening, Europe. What an amazing show. La Slovénie qui souligne la qualité du spectacle. And now, the votes of Slovenia. Sweden, 2 points. 2 points pour la Suède. Des nouveaux venus qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Absolument, avec un discours islamophobe très émouvant. Switzerland, 4 points. Ah, la Suisse et son très bon 4 minarets, c'est déjà 4 de trop, qui remonte à la 8e place. Germany, 6 points. Ah, une très belle prestation d'Angela Merkel avec son attaque sur la communauté turque. Et du coup, l'Allemagne qui passe à la 4e place. Italia, 8 points. Oh là là, Silvio
Silvio Berlusconi qui passe en tête à deux longueurs de la fin. Oui, l'un des grandissimes favoris, mais rien n'est fait. Hein. Russia, 10 points. On n'est pas surpris de les trouver là. Les Tchétchènes, on ira les chercher jusque dans les chiottes. C'est assez frontal, mais ça plaît. C'est surtout qu'ils l'ont fait, Eric. En tout cas, ces 10 points supplémentaires ne permettent pas au duo Vladimir et Dimitri de rattraper l'Italie. Mais, mon cher Eric, cela signifie que, si mes calculs sont bons, les 12 derniers points vont être décisifs pour la France. And the 12 points of Slovenia go to... France! Ça y est, c'est fait, Eric! Dans cette historique, la France gagne ce premier concours de l'Eurovision du discours xénophobe! Un concours pourtant extrêmement relevé, hein? Absolument! Et regardez, Nicolas Sarkozy est déjà sur scène pour refaire son discours! Il y a un lien entre immigration et délinquance. Hein? La xénophobie, le retour d'une grande idée européenne. Patrick, cette fois-ci j'ai la star absolue puisqu'elle est à la fois star et anti-star. Elle a accepté de nous répondre, je reçois Madonna. Elle ne reste que 2 heures à Cannes et c'est avec nous qu'elle va les passer. Ah, tout de même, enfin une star. Alors Madonna, Cannes pour vous, ça représente quoi? Ah, ben c'est formidable, Cannes c'est formidable, il y a du soleil et puis... Stop! Désolé. Bon, écoutez, maintenant, tous les deux ça suffit. Philippe, vous allez arrêter ces déguisements ridicules. Il est pas mal celui-là. Oui, mais c'est la voix qui suit pas. Et puis je veux plus vous entendre. Allez, trouvez des vedettes, sinon vous rentrez à Paris immédiatement. Michel, enlève ta main. Je suis vraiment dégoûté. Voilà, sans transition cinéma quand même, nous retrouvons nos deux consultants au Festival de Cannes, Jean-Pierre Bacri et Patrick Timsit. Moi, j'aime pas les consultants... Jean-Pierre, super! Non, c'est génial, vraiment! Tu profites, Cannes? Non, je subis, Cannes. Je subis. J'étais bien, je faisais la gueule, peinard, devant un club sandwich du Martinez à 280 balles, sans la viande. Et il y a les gens de L'Oréal qui m'ont sauté dessus pour me faire un masque au concombre, ces coulos-là. Eh ben c'est génial, tu profites. Moi, ils m'ont fait un masque au tarama, c'est pour desquamer. Desquame, profite, desquame. Mais merde, c'est quoi ici? Un festival de cosmétiques? Non, je suis désolé, je croyais bêtement qu'à Cannes, c'était du cinéma. Je dois être bête, je sais pas. Putain, L'Oréal, mais qui nous sorte une crème qui enlève la connerie et qui la balance par Canadair sur la croisette T'es fou, non. On va pas se fâcher avec L'Oréal, non. Viens, on fait une association avec L'Oréal. Ceux qui aiment la crème, ceux qui aiment les concombres. Non. Mais si, viens, profite la vie. Non, je peux pas. Ces coulos de L'Oréal, là, ils m'ont fait le maillot aussi. Bon, là ça repousse, mais ça me brûle. Alors excuse-moi, mais je refuse de sortir dans le monde en smoking, en me grattant les couilles, comme un vulgaire producteur libanais. Ah oui, la vache, on est mal, là. Hein. Oh, vous êtes dur, L'Oréal, ils font aussi des compléments capillaires, tout ce qu'il y a de bien. Hein. L'image du jour, c'est bien sûr l'ouverture du Festival de Cannes et les bonnes habitudes qui reprennent. Comme tous les ans, c'est L'Oréal, le marchand de sambon, qui paye. Et comme tous les ans, les plus grosses vedettes sont des footballeurs. Heureusement que le président du festival, c'est Luc Besson. Attention les flics! Ah, pour le niveau général, c'est cohérent. Politique maintenant. Patrick? Oui, Michel? J'ai Charleston. Ah, génial! Alors, priorité aux Américains. C'est à vous, Michel. Merci. Now, ladies and gentlemen, Charleston. Salut, c'est du lourd, je suis Sharon Stone, je pèse 200 millions de dollars. Oh, Michel, c'est pathétique, c'est Laurent Veil. Ouais, je sais, c'était une blague, hein. La vraie, elle est là. Ah bah quand même, nous vous écoutons Michel, c'est à vous de jouer. Bah Michel, allez-y. C'est un balai avec une perruque. Mais ça va pas, non? Comment vous parlez des actrices américaines, là? C'est pas une actrice, c'est un balai avec la perruque d'Atmen Khalif. Bon, soyez poli, Michel. Elle a un peu maigri, d'accord, mais ne soyez pas insultant. Posez-lui des questions, allez. Non, mais c'est un balai, hein, je vous assure. Non, mais Michel, avoir Sharon Stone sur votre plateau et la traiter de la sorte, c'est à la limite de la faute professionnelle. Ça, vous me le paierez, hein.
Voilà, on me signale que nous sommes en direct depuis le palais des festivals. On va enfin pouvoir parler cinéma. Laurent Veil, vous êtes sur les matchs, je crois, avec une très grande star, c'est ça? Oui, Patrick, je suis en compagnie d'une star, une star américaine. Très bien, ça. Bon travail, Laurent. Et c'est qui? J'ai la chance d'être avec Bambi 2. Qui ça? Bambi 2. Mais qu'est-ce que c'est? Bonsoir, Bambi 2. Alors, Bambi 2, c'est votre première fois à Cannes. Vous êtes heureux, je suppose. Oui, mais ma mère me manque. Je la trouve pas. Bah, c'est normal, elle est morte dans Bambi 1. Apparemment, on lui avait pas dit. Patrick, je crois que... C'est surtout que c'est pas très intéressant, Laurent, d'avoir Bambi 2. On veut du comédien, nous. Ah, désolé, Patrick, mais c'est ce qui se fait de mieux ici. C'est un gros carton, c'est du lourd, là. Bambi 2, c'est 3 millions de spectateurs en France, 4 aux États-Unis, 75 millions de dollars au box-office américain et 800 000 DVD mis en place. Je sais pas ce qu'il vous faut. C'est très moyen, Laurent. Voilà, on termine avec le Festival de Cannes. La compétition touche à sa fin. Pour l'instant, le jury présidé par les frères Cohen serait encore indécis. Ethan, Joël, Cohen, vous n'avez toujours pas de favori pour la Palme d'Or? Ah si, ça y est, notre choix est fait, c'est Youss de Sorrentino. Ah non, non, il est nul, moi, mon préféré, c'est le film de Nanni Moretti. Sorrentino. Moretti. Maman, Joël, il veut pas me laisser choisir mon film. Oh, mais t'es faillot. Maman. Messieurs, messieurs, s'il vous plaît, vous pensez vous mettre d'accord d'ici à dimanche? On est déjà d'accord, la Palme, c'est pour Nanni Moretti. Ah non, moi, je veux pas. Ok, alors je vais dire à tout le monde que tu portes un slip Hello Kitty. Maman, Joël, il se moque encore de mon slip Hello Kitty. Ah, si jamais il y a deux palmes d'or, ça fait une chance de plus pour les films français. Voilà, je suis donc avec François Bayrou. Monsieur Bayrou, ce week-end, toutes les composantes de la droite vont se fondre dans un parti unique, l'UMP, et vous, vous refusez. Pourquoi ? Parce que je suis un homme libre. On ne m'attache pas. On ne me met pas dans une cage, fût-elle dorée. Oui, oui. Pourtant, dans la mesure où vous partagez un grand nombre des engagements de l'UMP, pourquoi faire cavalier seul? Parce que... Un point pour vous. Mais encore. Eh bien, parce que s'il n'y a que l'UMP, il n'y aura qu'un candidat de la droite en 2007. Et que ce sera même pas moi. Ah, ça c'est sûr. Et alors? Eh bien, moi, je veux être président de la République. Oui. Non, mais sérieux. Eh bien quoi? Oui, je veux être président. François. Ben quoi? Tu sais bien que c'est pas possible. Tu... Enfin, on en a déjà parlé, tu te souviens? Mais je veux être président. François, faut être raisonnable. Et pourquoi je pourrais pas? Pourquoi? Ben, comment dire, pour être poli... Bon, on va prendre un exemple. Imaginons un garçon, il a 18 ans, il vient d'entrer en 6e techno, et il te dit, je veux devenir cosmonaute. Qu'est-ce que tu lui dirais? Moi? Ben, je lui dirais, accroche-toi, avec de la volonté, on peut arriver à tout. D'accord, on va prendre un autre exemple. Alors, imagine un garçon... Le même? Tu veux, c'est pas important. Pour je ne sais quelle raison, il a les deux bras arrachés dans un accident de tractopelle. Le pauvre. Oui. Et il te dit, je veux être numéro un mondial de tennis. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis, tout est possible dans la vie, accroche-toi et travaille ton jeu de jambes. Tu le fais exprès, là. Non, tout est possible dans la vie. Bon, un autre exemple. C'est un garçon... Ah, toujours le même? Non, on s'en fout. Un garçon mort depuis 10 ans, incinéré avec ses cendres dispersées dans l'océan qu'on ne sait pas où elles sont. Oui, pour l'instant, il n'a pas trop de chance. Non, hein? Tu m'étonnes. Ce garçon te dit, je veux être numéro un mondial de tennis. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis, tu peux pas, il y a déjà l'autre qui a pas de bras. François, il est mort depuis 10 ans et brûlé, cramé, dispersé. Tu crois qu'il peut être numéro un mondial de tennis? Ah non, non, s'il est mort, non. Bon, alors garde ça dans un coin de la tête, hein. Maintenant, imagine un centriste, bègue, presque rouquin, avec des grandes oreilles, qui se retrouve seul contre toute la droite et la gauche, qui en plus fait campagne dans un bus au colza, et qui, pour faire bon poids, n'a pas d'idée, pas de programme, pas de charisme. Ce gars-là te dit « Je veux être président de la République ». Tu lui dis quoi? Là, je lui dis « Oh, toi, cornichon, tu vas au casse-pipe !» Ah, alors maintenant, mets un nom sur ce centriste, François. Fastoche, Philippe Douste-Blazy. Ouais, bon, en même temps, je peux pas t'en vouloir, ça marche aussi avec lui. Salut! Jacques n'est pas là. Mais c'est pas Jacques que je suis venu voir. Poupée. Oh, poupée? Fais pas cette tête, oh, je vais pas te mordre. Je dois te parler de quelque chose... d'important. Oh,
Vous voulez quoi au juste? Tu as lu les sondages? Je suis à 12. Bientôt le boss, ce sera moi ici. Ce sera moi le président. Tout ça, ça va être à moi. Tu aimes les enfants? Les enfants? Je veux voir des enfants courir un peu partout ici. Écoute, poupée, Chirac il est mort. Ici bientôt ce sera chez moi. C'est comme ça, t'y peux rien. François Bayrou est lancé. Ce fauteuil-là, il est à moi. Et toi aussi bientôt, tu seras ma femme. Moi? Je sais, je viens de la campagne et tu penses que j'ai pas la carrure. Mais François Bayrou, il va tous les niquer. Tu m'as plu dès que je t'ai vu. Je me suis dit, celle-là, c'est une tigresse. Non, Jacques! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est ta poupée, elle gigote. Je vais la prendre en main. Pourquoi? Moi, j'ai le manche. Toi, t'as le manche. Moi, j'ai le manche. T'es devenu tout dingue? Je vous emmerde. Je vous enfile tous en brochette. Toi, les frères Diaz et Gilles de Robillet. Oui, cette scène peut paraître du grand n'importe quoi. Mais bon, François Bayrou a 12 dans les sondages. C'est pas déjà n'importe quoi? Je peux dire deux mots à Benoît Hamon? Si vous voulez. Benoît, jusqu'à présent, t'as raté ta vie. Mais ça va pas, non? Quoi? Il est socialiste alors qu'on est en 2011. L'URSS s'est effondré il y a 20 ans. Faut se réveiller, là. Benoît, rejoins-moi. Tu sais que chez moi, il y a toujours de la place pour un socialiste. Hein? Regarde ce que j'ai fait d'Éric Besson, de Bernard Kouchner, des ministres adulés et respectés. Oui, je suis pas sûr que ça l'intéresse, du coup. Autre avantage, t'auras une voiture de fonction et des costumes sur mesure. Parce que passer chez Denisot en costard Célio, c'est limite, hein. Voilà, Michel, ce soir, un journal consacré entièrement au bon goût en politique. Voilà, sans transition en communication, se faire aimer, c'est long, il faut commencer petit et c'est pas toujours facile, regardez. Bonjour. 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 Bonjour, petit. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Bonjour, mon garçon. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nicolas. Communiquer est un don naturel, cultivons-le. Cela dit, quand on a une tête à claque, on a une tête à claque. Voilà, sans transition télévision, avec ce soir sur M6, les demi-finales d'Incroyable Talent. La semaine dernière, un candidat avait marqué des points. On retrouve tout de suite. Alors, on le rappelle, ce candidat est capable de disparaître et d'apparaître quand il le désire. On essaye. Droit de l'homme en Chine. Vente d'Airbus. Waouh. Émeute en banlieue. Faire une photo avec les parents des victimes. Politique sociale. Rolex. Sociale. Ray-Ban. Ah, t'es bien fichu, hein. Puis en plus, c'est très pratique, hein. Voilà, sans transition, Nicolas Sarkozy estime donc qu'il n'est pas l'ami des riches. La preuve en image. Si vous saviez, hein, je fais un effort énorme pour venir manger ici. Mais je profite de votre caméra pour que les travailleurs voient dans quoi se pavanent ces salauds de la France d'en haut. Monsieur le Président, comment allons-nous aujourd'hui? Ouais, bah, remballe tes courbettes, hein. C'est pas le Président à qui tu causes, hein, mais le candidat du peuple. Ah. Pardon, et si vous voulez bien me suivre? Tiens, non mais regarde-moi tout ce bling-bling. Ah ça, le chômage et la pauvreté ont explosé, mais pas pour tout le monde, hein. À mort les privilégiés, hein? Nicolas... Ouais, c'est ça, fais le malin, toi. Hein, tu verras quand on t'aura pendu à la lanterne, toi et ta bande d'incompétents. Voici votre table habituelle... une table libre. Quoi? 49 euros les raviolis? Les ravioles de homard au girole poêlé. Ouais, bah amène-moi un truc tout simple. Tiens, comme l'assiette de riz, là. Ah, oui, le riz de veau braisé, artichaut poivrade et truffes. Très bon choix.
Hey Nico, t'as vu que le yacht de Stéphane a coulé? Bien fait pour lui. Il a pu sauver l'hélico quand même. Ah non. Bien fait pour lui. Vous prendrez du vin? Oui, mettez-moi un pichet à 5 euros. La première bouteille est à 45 euros. Hein? Salaud de riche! Il nous pousse à consommer, nous, les petites gens. Mais on va se battre. Bon, allez, je la prends, mais c'est bien parce que j'ai soif. Non, mais vous verriez ça? Même les toilettes, ça sent la fraude fiscale, hein? Profitez-en bien, les pourris, hein? Parce qu'on se retrouvera le soir du 6 mai. C'est toujours prévu ici, à 22h? Ouais. Fais le mariole, toi aussi. L'addition? Hein? Eh ben, l'équivalent d'un SMIC? Vous avez pas honte? C'est la dernière fois que je mets les pieds ici, hein? À demain, monsieur le président. Eh, c'est ça, oui. Sans transition cinéma, aujourd'hui à l'UACAN, la fameuse remise des hot d'or du film X. Comme tous les ans, il y a un grand favori. Isabelle Giordano était sur le tournage, regardez. Comment un auteur voit-il l'adaptation de son œuvre pour le 7e art? Toujours avec une certaine appréhension. Le Pacha, mon livre, est une allégorie. Tu dis la réplique, tu la couches sur les feux de bois. En fait, devant les feux, sinon il se brûle, on n'est pas idiot, non? Alors comme ça, c'est très joli, très graphique, vas-y. Tu me plais? Tu es belle? Non, c'est trop long, c'est... Chacun d'entre nous repasse un jour ou l'autre devant sa vie. Faut-il s'arrêter? Vas-y. Là est la question. C'est un film sur l'amour. L'important, c'est que l'homme, il nique la fille. Il prend la fille un stop et il la nique dans la voiture. Il l'amène chez lui. Il la nique devant la cheminée. Voilà, vas-y, donne-toi. Vas-y, tu te donnes. Tu es belle, John. Maintenant, tu la retournes et tu la niques. Vanessa, la fragilité du personnage. Elle est bonne. John, t'es gentil. Tu lèves ta jambe, sinon on voit rien du tout. Hein. Et là, il la nique dans la cuisine. Mon rôle, c'est celui d'une fille qui fait du stop. Mon personnage... C'est un homme. Il y a un homme. Comment dire? Il prend sa voiture un jour. Il s'arrête. Et puis d'un coup, il y a une fille sur la route. Elle monte. Et tac, il la nique. Et maintenant, il lui frappe la fesse avec un spatule. Vas-y, tu tapes. C'est artistique, c'est beau, c'est jamais vulgaire. Vas-y, tu tapes. Être adapté au cinéma, c'est un honneur pour vous. J'ajouterais... un bonheur. Maintenant, tu tombes les slips et tu la niques. Ange Falconetti et Prépuce Productions présentent John Iron Dick, Vanessa Titz dans Éclate-moi le passage, un film de James Il Cazzo. D'après Le Passage, le livre de Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République. Voilà, sans transition, soulagement, les assurances AXA ont renoncé à doubler les primes pour les parents d'handicapés, ce qui était indigne. C'est pourquoi nous voulions nous associer à l'immense cri de joie de tous les handicapés de France. Émouvant, ça a moins de gueule que I Will Survive, mais ça le fait quand même. Procès Elf maintenant, malversation, détournement de fonds, paradis fiscaux, corruption, mensonges, trafic d'influence, emploi fictif. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, rien. Mais rien à voir avec Elf, moi. Je vais chez SO. Tous les 100 litres, on a une assiette Bart Simpson. Mm-hmm. Christine de Viejoncourt, Alfred Sirvent, Loïc, Lefloc-Prigent, tous ont été condamnés à de la prison ferme. À quoi? Avec aller chez SO, c'est tout. Bon, quelqu'un me dit ce que je fais là ou bien? On revient maintenant sur la condamnation surprenante de Jacques Chirac à 2 ans de prison avec sursis. Pourtant, l'ancien président de la République avait tout tenté pour échapper à son procès, souvenez-vous. Ah, Jean-Louis, qu'est-ce que tu foutais? Désolé, Jacques, je ne trouvais pas de fauteuil. J'ai été obligé d'en voler un au Conseil constitutionnel. Parfait, on y va. Jacques, vous êtes sûr que ça va marcher? T'inquiète, Jean-Louis, j'ai vu ça dans un film sur la mafia, c'est imparable. Dans 2 heures, je suis acquitté. Vous êtes un génie, Jacques. On y va. Jean-Louis? Quoi? Couverture. Ah oui, mince. Le détail, Jean-Louis. Tout est dans le détail. Observe bien l'artiste. Monsieur Chirac, êtes-vous apte à répondre à nos questions? Monsieur Chirac,
Vous m'entendez? Je ne sais pas ce qu'il a. Il est comme ça depuis ce matin. Depuis toujours. Il est comme ça depuis toujours. Depuis un mois, pas plus. Son état s'est dégradé. Il ne se souvient plus de rien. C'est un légume. Monsieur l'expert médical, s'il vous plaît. Oh, putain de la rosette de lien. Jacques, non. Ah, merde. Il est apte. Ouais. Jean-Louis, on passe au plan B. Faites entrer la défense de Monsieur Chirac. Alors, Jean-Louis, vous êtes un génie, Jacques. À gauche, au milieu. Non, pas là. Là non plus. T'as perdu. C'est la combine à nanar. Être partout et être nulle part. Politique, business et foot. Nanar est tellement partout qu'il peut se planter nulle part. Jamais tricard, non, jamais tocard. C'est la combine à nanar. D'apporter un Richard. Vendre, acheter, revendre, acheter. Avec rien dans les gobelets. C'est ça les billes à nanar, elles sont partout, elles sont nulle part. C'est la combine à nanar, être partout et être nulle part. OMPS, MRG, sport fait l'hiver et télé. C'est la combine à nanar, avoir sa trombine dans le canard. C'est l'entreprise à nanar, fabriquer que du nanar. Après les filles à nanar, après les pompes à nanar. La coupe d'Europe à nanar. Ça m'énerve pas. Ça m'énerve pas. Qu'est-ce que ça m'énerve pas? Devant le siège du MEDEF, il y a tout plein de Mercedes. Moi j'arrive en Citroën, on me dit tu fais de la peine. Ça m'énerve pas. Non, ça m'énerve pas. À Bruxelles, je suis serein pour le traité européen. Face à Merkel, je suis tout seul. Ils sont bien foutus de ma gueule. Ça m'énerve pas. Mon Dieu, que ça m'énerve pas. J'appelle Jean-Marc Ayrault. Il me dit qu'on dépense trop. Je lui demande ce qu'il compte faire. Il me dit de gratter un millionnaire. Mais même ça, ça m'énerve pas. Ceux qui disent que j'ai pas la carrure de président. Le chômage qui progresse, la croissance qui descend. Les déficits qui explosent, tout le monde se fout de moi. Toutes celles qui disent que Valou, elle aime pas. Ça m'énerve pas tous ces banquiers qui me prennent pour un con. Tout ça pour voir s'envoler leurs actions. Mais bon, paraît qu'ils ont raison. Ça m'énerve pas. Tous ceux qui fuient en courant à l'étranger. Ça m'énerve pas. Pour oublier que les impôts faut en payer. Ça m'énerve pas. Ceux qui disent que je renie ce que j'avais promis. J'ai même entendu que Chirac faisait moins de conneries. Ça m'énerve pas. Tu aimes Stromae, son univers? Tu aimes danser sur le thème de l'abandon familial? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es?
Où t'es, papa, où t'es? De la famine. Qui dit crise, tout dit monde, dit famine et dit tiers-monde. Alors on danse. Alors on danse. De la dépression. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Alors désormais, fais directement appel à Stromae pour t'éclater lors de tes événements privés. Un licenciement à célébrer? Formidable. Formidable. Vous étiez formidable, c'était fort probable. Vous étiez formidable. Formidable. Une chimiothérapie. Où t'es chevelure où t'es? Où t'es chevelure où t'es? Où t'es chevelure où t'es? Ou même une occasion exotique comme une lapidation. Alors on lance. Alors on lance. Alors on lance. Alors on lance. N'attends pas et appelle Stromae à ce numéro pour animer ta propre détresse partie. Voilà, sans transition de page, le président de la Fédération française de cyclisme, Daniel Valls, estime que les coureurs sont responsables du dopage et qu'on ne peut pas être dopé à son insu. Mais qu'est-ce qu'il y connaît, lui? Moi, je dis qu'on est des gens qui s'entraînons et que si on est dopé, c'est à l'insu de notre plein gré. Non, Richard, ne soyez pas naïf. Certaines performances ne peuvent pas être obtenues naturellement. Pourquoi? Moi, j'ai des dispositions pour le sport de haut niveau depuis ma naissance. Depuis que la cigogne, elle a déposé son baluchon dans la cheminée de mes parents. Comment? Ben oui, ma naissance, la cigogne, tout ça. Non, Richard, mais c'est pas comme ça que les enfants naissent. Quoi? Ah oui, le papa et la maman font l'amour, et après, c'est une histoire de spermatozoïdes et d'ovules. Quoi? On m'aurait menti, alors? Oh là 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 là! Si ça se trouve, je suis né à l'insu de mon plein gré. Oui, ben, on va peut-être pas lui dire tout de suite qu'il y a quelqu'un dans Casimir, hein. Ça ferait trop. Il s'est distingué dès sa naissance. Dès son plus jeune âge, il montrait déjà des dispositions. Et Richard Virenque arrive sur les Champs-Élysées! Alors, ils ont décidé d'en faire leur champion. Attention, il va sortir. Départ figuration. Bonjour! Bonjour, Richard. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Voilà, Richard. Merci. Bonjour, je voudrais une tranche de cabillaud et deux filets de merlu. Il a l'air bon. Ah ouais, c'est du frais de ce matin, Richard. Salut, Richard. Un petit café dans la fesse, comme d'habitude? Oui, bien serré. À demain. Oh, qu'est-ce que c'est? Dopage? Oh. Des piqûres de PO, des piqûres de stéroïdes, des piqûres de créatine? Quoi? C'était pas du camion? On m'aurait dopé à l'insu de mon plein gré? On m'aurait menti depuis le début? C'est pas comme ça qu'on mange! C'est pas comme ça qu'on boit, c'est pas comme ça qu'on vit. Adieu. Oh. Oh là 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 là.
la terre, elle est pas plate, en fait, elle est murée. De Viren Show. Et le pire, c'est qu'il a Maître Collard comme avocat. Oh là 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 là. Voilà, sans transition cycliste, Marco Pantani, le champion italien, s'est bien dopé. La contre-expertise a confirmé un taux d'hématocrite au-dessus des normes. Marco, cette affaire de dopage signifie-t-elle la fin de votre carrière? Ma alors, io non ho mai preso niente, mai. Io non sono tossicodipendente, io sono un sportivo. Ah, pardon, oui, il faudrait trouver un traducteur, là. Laissez, je vais le faire. Richard, vous parlez italien? Ma oui, depuis que je suis chez Polti, un petit poco. Alors, Marco Pantaloni, tu es au dopo ou c'est à l'insulo de ton plein gréto? Cosa dice? Ma che lingua parli tu? Il dit qu'il s'est pas dopé ou alors à l'insu de son plein gré comme Richard Virenque. Pareil, on est pareil, faut nous laisser tranquille. Non, Richard. Faut arrêter maintenant, on est tous d'accord avec Jalabert, il n'y a pas de dopage dans le vélo. Richard, tout le monde le sait. C'est pas vrai, vous n'y connaissez rien. C'est pas dans le vélo qu'il y a du dopage, c'est dans le cycliste. Sinon, ça crève les pneus. Hein? Hein, Marco Pantaloni? Ah, va faire un tour. Oui, moi aussi, je suis ton copain. Il y en a un bastard des soupçonneaux. Hein. Oui, et puis Pantani garde toutes ses chances. Il n'a pas Maître Collard comme avocat. Voilà, sans transition cyclisme. Selon l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, toute l'équipe Deutsche Telekom serait systématiquement et complètement dopée. Jan Ulrich, vous êtes le leader des Deutsche Telekom. Ce sont des accusations graves. Ja. Aber ich habe niemals solche Produkte... Achtung, Achtung, Jan Ulrich! Ne répondent Sie pas! Ils veulent te faire dire das Revelation! Richard, vous parlez allemand maintenant? Jawohl, j'ai pris des cours dans Papa Schulz. Faisen Sie moi confiance, Jan Ulrich. Répondent Sie natürlich et tout se passera à goutte. Also, Jan Ulrich, du est dopen ou c'est à l'insulin de ton plein grétung? Ich fürchte nicht. Il dit qu'il s'est pas dopé ou alors à l'insu de son plein gré comme Richard Virenque, Marco Pantaloni et Laurent Jalabert. Ben Richard... Arrêtez! Faut laisser les cyclistes tranquilles! Il y en a scheisse des soupçonnen! Vous allez voir, personne va le faire votre Tour de France. Je vous préviens, si je suis le seul à le faire, Eh ben, je le fais quand même, je l'ai jamais gagné. C'est vrai, le problème c'est qu'il y a peut-être trop de cyclistes dans le monde du vélo. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, à ciao, bonsoir. Bienvenue aux arrêts de l'info. Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. Cette édition sera entièrement consacrée aux événements qui se passent. Bonsoir. Pourquoi? Vous regardez trop la télévision, bonsoir. Qu'est-ce qu'il me raconte, Jules? Ah putain, merde! C'est tout collé! Oh merde, je vais me faire engueuler, moi! Et on tire! Merde, putain, j'ai tout pété! Oh, je vais me faire engueuler! Ça, c'est le nombre de pantalons perdus par les alliés. Un seul, Patrick. Ah oh merde, c'est le mien. Putain, je vais me faire engueuler. Ah oui, hop, il faut réfléchir avant de parler. Tu formidable, hein. Coco. Ah, coco. Il faut faire le silence parce qu'elle parle pas très fort. Ah, coco. Eh, 5 buts en 3 matchs, 5 cacahuètes en plus, alors, et tout le monde ferme sa boîte à camembert, là, hein. Ça la ramène moi déjà chez les guignols, hein.
Oui, c'est vrai que ces 5 buts sont la meilleure réponse à vos détracteurs, Jean-Pierre. Ouais, 5 cacahuètes. Alors, camembert, mes tracteurs, hein. Oui, tout à fait, Thierry. Ouf, ça n'est tout à fait, Thierry. Il y en aura aussi, mon petit Jean-Mibi. On peut vous faire confiance. Oui, tout à fait, Thierry. Voilà, héros, camembert, hein. Jean-Pierre, un commentaire. Affreux. Bah, c'est pas ma faute, oui. Bon, je m'en vais. Et je t'emmerde. Désolé. Ce serait dommage de gâcher. Formidable. Hein. C'est dimanche, alors bon dimanche, sous vos applaudissements. Bah oui, qu'est-ce qu'on en a foutu? Et là, c'est l'apparition du qu'est-ce qu'on en a foutu. Avec, bien sûr, son corollaire direct, tu prends le pognon, puis c'est tout. Et c'est grave, ça. Le problème, c'est que c'est contagieux. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu prends le pognon, puis c'est tout. Il vous en prie. Osons! Osons! Osons les pulls de toutes les couleurs chamarrées de la vie du service public en mohair. Osons! Fille, petite poire. Oh non, la poire, je sais pas ce que j'ai, je dois faire une allergie. Au bout de 2 litres, tac, j'ai les yeux qui piquent. Ce bouffon, celui-là, oh, sa mère a chose du deux. Ah, bichu. Le monsieur te demande si tu as coupé l'herbe enfin, sur le... Arrêtez! Arrêtez ce jeu stupide! J'ai parfaitement entendu et je suis capable de répondre tout seul. Non, je n'ai pas coupé le pied de Charles Pasqua. L'herbe sur le pied, l'herbe! T'es gentil, qui c'est qui a gagné dimanche? Il y a un gagnant ici, ça s'appelle Bernard et c'est sévèrement burné. Non. Il ne faut pas... Monsieur! Ah, y'a que des chips, hein. Bah, fais péter le chip, tant pis. Si tu continues, tu t'exclus de toi-même du mouvement! Mais y'a plus de mouvement, oh. Ah, je vais le noter. Tu vas pas te monter le bourrichon pour un sondage, quand même, hein? Écoutez, Jacques, je travaille. Les présidentielles, c'est dans 2 ans. 2 ans. Ah, je sais, 2 ans. Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Je dis nonne. Nonne? Très bien, je le note. Ta mère a poil devant le prisu, toi. T'es enculé, toi. Ta mère, elle suce des ours. Comment ne pas devenir imbécile dans un monde d'imbéciles? Imbécile. Ta mère en slip bleu dans la 4e dimension, toi. Oh, ta mère, elle suce des clochards, toi, ouais. Bouffon. Hé, Christine, y'a marée basse. Remets la petite sœur. Ah, putain, qu'est-ce que je suis débordé, moi. Allons, courage, monsieur Chirac. Jamais j'étais débordé comme ça. Jamais. Castami dans tes cahuètes, là, épique, hein. Mets-nous plutôt des chips. Ah ouais, ouais, encore des chips. Désolé, messieurs, on ferme. Allez, à ciao, bonsoir.